Bonsoir à tous et à toutes. Daniel, bonsoir. Bonsoir Marie-Laure. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous faire vivre une nuit de la pétanque, parce qu'on va vous faire découvrir un événement extraordinaire, le plus grand concours au monde de pétanque. Et puis nous sommes ravis aussi de vous offrir, regardez, ce cadre magique, magnifique du vieux port de Marseille. Alors, compétition hors norme, on va donner un chiffre, Daniel. Bon, on va en donner. C'est même celui plusieurs. D'ouverture. Absolument. Le nombre de participants, 5 jours de compétition, dimanche dernier, 12 672 joueurs. Oui, ce qui fait 4224 triplettes, 25 nations participantes. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Aucun tournoi au monde n'existe comme celui du mondial. Et extraordinaire aussi parce que l'amateur, celui qui a le plus petit niveau, peut croiser les boules avec le sportif de haut niveau. C'est sûr, lorsque le sport loisir élève son niveau de jeu, cela devient de la haute compétition pratiquée par des champions d'exception. C'est du grand spectacle, c'est du grand art et c'est formidable. Et c'est aussi une immense fête populaire. Ça rassemble pendant les 5 jours à peu près 150 000 personnes. On vient pique-niquer pour regarder les gens jouer. Et puis c'est comme une dramaturgie pendant 5 jours jusqu'à la finale, ici sur le Vieux Port, où là, l'enjeu est de taille. Et oui, puis Marseille, sans aucun doute, a bien le label de la plus grande capitale mondiale de la pétanque. Alors on rappelle, il y avait 4224 équipes dimanche. 5 jours plus tard, ici même, il n'y en avait plus que deux. Deux pour essayer d'avoir ce trophée tant convoité. Oui, une finale inédite, une finale qui a passionné tout le sud et qui a enflammé toute la moitié du sud de la France. Alors on commence par vous faire découvrir cette grande finale et puis après, il y aura d'autres choses. Eh bien voilà, nous sommes de plein pied dans cette finale très attendue, inédite et tellement attractive parce qu'il n'y a que des champions. Nous sommes ici, mesdames et messieurs, à Marseille. Marseille et ses joyaux, le vieux port, Notre-Dame de la Garde et ses célèbres calanques. Et nous sommes ici sur ce port magique, en bas justement de la Canebière. Vous le savez, 14 juillet oblige, on a quitté un petit peu la mairie, mais dans un instant, nous sommes avec le sénateur-maire de Marseille, monsieur Jean-Claude Godin, première main, regardez, avec Gilles Guéroux, il a déjà gagné la Marseillaise. On va vous présenter ses compétiteurs hors nommes. Il y a Gilles Guéroux, ils sont en orange, il y a Michel Adam, il y a Stéphane Robineau, et de l'autre côté, c'est la famille Molinas. Louis Molinas, il l'a gagné cette Marseillaise. Avec ses fils, il est allé en finale, mais cette année, le rêve, c'est que les enfants emmènent le papa pour gagner ensemble. Alors, on va suivre cette finale en compagnie de Marco Foyot. Vous le savez, la finale est en 13 points. Attends, Ben. La finale est en 13 points. Attends, on voit toi. On regarde la première main. C'est vrai qu'il y a de la pression parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Vous avez vu un public, évidemment, de connaisseurs. Et Marco, tout de suite, déjà, il y a de la pression, il y a de la tension. Et c'est bien normal. Oui, effectivement, on a vu Ben Molinas qui n'a pas très très bien tiré sa première, il faut absolument qu'il soit dans le coup là. Voilà. Bien tiré. Il a eu contre sur la boule de son père, mais enfin, c'est important qu'il y frappe. Hein. De suite pas. Allez, tu peux. Alors ce qui est étonnant dans cette partie justement, c'est que ça va être les pointeurs sont déterminants puisque, comme vous l'avez dit, Gilles Guéroux a gagné donc la Marseillaise. Et Louis Molinas aussi. Duel de pointeurs. Gilles Guéroux, 41 ans, de la boule de l'Elysée à Salon. Il a disputé 3 demi en 2001, 2002, 2005. Mais il a sur sa carte de visite une étoile à la Marseillaise. Il l'a gagné avec Villefroy et Alban Toza, c'était en 98. Et jusque-là, depuis ce début de ce grand marathon, parce que allez, c'est un marathon, 4224 triplettes, on ne peut pas imaginer quand même que dans tout Marseille, véritable capitale mondiale de la pétanque, on ait pu, le premier jour, au premier tour, disputer 2112 parties. Comment est-ce imaginable de pouvoir, sur 25 sites dans tout Marseille, tout ce qui était praticable a été aménagé pour ce mondial qui est une véritable magie, une véritable promotion pour la pétanque. Stéphane Robineau. Il se reprend parce que bon, il a été gêné apparemment par un spectateur. Mais là, les tribunes sont pleines à craquer. Il y a 4000 spectateurs, ah oui. Un petit peu moins que de coutume, mais ici,
Il n'y a plus un Strasbourgain de libre. Et c'est vrai que je voudrais vous dire un mot tout de suite, parce que nous allons être au cœur de la partie, parce que tous les acteurs, tous ces champions sont équipés de micros HF. Et puis je veux dire un grand, grand merci à ces champions qui sont au-delà de la norme, parce qu'ils ont accepté notre proposition de jouer avec des boules de couleurs différentes. Tout ça pour la télévision, pour le spectacle de la pétanque, pour que la pétanque roule encore plus loin. On va remercier cette grande société de la boule au but qui fait route avec France Télévisions tout au long des compétitions que nous retransmettons. Et c'est vrai que pour la première fois, en 46 ans de Marseillaise, on joue avec des boules que l'on peut identifier sans aucune difficulté. Bravo. Et un grand merci vraiment à ces acteurs, au Mondial, la Marseillaise et aux joueurs. Les joueurs sont des grands champions, à la fois sur le terrain, mais aussi côté court. Alors Stéphane Robineau, il est du club Rocher-Le Mans. C'est sa troisième Marseillaise. Bravo. Il s'est baissé, il ne la voyait plus atterrir. Ouais. Il a dû mettre les aérofreins. 2 sur 2. Joseph, plus connu dans le monde des boules, avec son surnom de Mamour, s'est inscrit sur la casquette. C'est que là, ils sont sur une grosse semaine, hein, la partie de Michel Adam. Hein. 2 boules Michel Adam, 1 boule Molinas, 10 Mamour. Très important pour lui d'y frapper. Ah, Michel. S'il vient à faire 2 palets, il peut faire 5 points la première main, hein, Michel Adam. Hein. Michel Adam, qui a vaincu le syndrome des demi-finales. Il a 37 ans, c'est un Marseillais. Tous les cœurs des Marseillais battent ce soir pour lui. Lui qui a échoué ici au port. Est-ce qu'on peut imaginer un joueur de ce talent qui a échoué par 4 fois en demi-finale, dont 3 fois 13-12 ? À Daniel. Michel est très très. Cette boule est très importante pour lui. Il tire pour 5 au carreau. Allez. Très grand moment déjà à l'attaque de cette finale. Il n'est pas droit. 2 quand même. 2 points. Deux quand même dans la première main pour Gilles Guéraud, Michel Adam, Stéphane Robineau. Et c'est vrai, monsieur le sénateur maire, monsieur Jean-Claude Godin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous y sommes très sensibles. C'est vrai que c'est un peu une tradition, mais quel bonheur de vous accueillir parce que le mot n'est pas trop fort. Marseille, c'est bien la capitale mondiale de la pétanque. C'est bien la capitale mondiale de la pétanque et nous devons ça justement dans cette compétition à Michel Montana qui vit toute l'année pour préparer justement cette très grande manifestation, 150 000 personnes et des gens qui viennent du monde entier, y compris de la ville de Shanghai avec laquelle Marseille est jumelée. Alors justement, puisque vous parlez de ce jumelage, vous me précédez, c'est vrai que ce jumelage est très intéressant parce que la Chine s'éveille à la pétanque. Ils sont venus l'année dernière en démonstration, c'était des étudiants qui venaient pour apprendre. Cette année, ils ont brillé et c'est un bonheur de les accueillir ici. Absolument, et nous avions d'ailleurs, lorsque nous sommes allés à Shanghai, nous leur avons offert la fontaine de l'arbre de l'espérance que nous avons devant le parc du 26e centenaire, puisque nous avons dépassé 2600 ans d'existence. Et de tout temps, on a joué à la pétanque. Alors si on peut apprendre ça aux Chinois, qui nous donnent par ailleurs tant de leçons, c'est une bonne chose. Bravo. Merci.
merci à vous. Merci de votre chance. J'ai joué là-bas, hein, j'ai mis un temps. Hein. Ah, t'as bien joué, hein. J'ai joué. Bien, Minovic, bravo. Bien, Stéphane Robineau, carreau à sa première, palais à la deuxième. Bravo. Il est bien dans sa partie. Bravo, pas. Moyen. C'est tapé. C'est une carreau, c'est Il a gagné le point. Il a gagné, il faut quand même dire que les conditions de route ne sont plus les mêmes que lorsqu'on était au parc Borély ou ailleurs sur les autres sites. Il faut simplement dire quand même, et ça c'est une précision qui est importante, s'ils ont disputé les demi-finales dans ce magnifique cadre ici sur le Vieux-Port. C'est vrai que tout au long de cette compétition, on a vu des terrains qui étaient aménagés, mais qui n'avaient rien à voir avec celui-là. Ça peut changer la donne. Un peu vite, je pense. La première ? Gilles Guéron. Super. Bravo Gilles. Et là, bravo, on voit Gilles Guéron qui joue différemment de Louis Molinas. Gilles Guéron. Je vois un peu vite. On se voit pas vite. A tendance à faire rouler les boules, bien plus près donc du cercle, alors que Louis Molinas, lui, joue plutôt en demi-portée et en portée. Il a très bien placé sa boule en devant de boule. En tirant, si on a un contre. Pas si c'est bel jeu, pas de tirer. En tirant, si on a le contre. Ouais. Ah, c'est pas le jeu de tirer, je passe pas, hein. Non. C'est ce que vous voulez, hein. Je peux le gagner, je peux le mettre en danger pareil, hein. Eh ben vas-y, hein. Non. Je vous la sors seul, la boule. Le père, il est pas contre à rien, hein. C'est ça, mince, quoi. Moi, je pointerai, moi. Eh ben, va, tire-y bien, mon père. Tire pas. Allez, va. Allez, je tire. Ah, quand même. Oui, vous avez beau dire ça, c'est quand même le patriarche qui a eu le dernier mot. C'est lui qui vient. Allez, mon petit frère. Il a tiré. Bravo. Quelle frappe. Il a tiré, ça perd. Il a eu contre, il a fait carreau et en faisant carreau, il a fait devant de boule dans la noire. Comme quoi, c'est un tir riche. T'en prends qu'un. Ami, allez, gagne-le. Ah, Michel, il gagne avant. C'est pas plus mal. C'est décidé un pas en contre, on tire. Michel Adam. C'est pas le jeu de tirer. T'as contre, tu marques pas. Enfin, en finale, pourrait-on dire, lui qui a gagné 34 nationaux, c'est fort. Et qui, dans la vie, est un homme dangereux, si j'ose dire. C'est un professeur de full contact. Aix-en-Provence, son idole, vous l'aurez bien deviné, c'est un homme qui est un spécialiste dans le 7e art, Jean-Claude Van Damme. Tirez, hein. Tirez maintenant, hein. Allez, allez, Mambo. Ingagnable celui-là. Allez, allez, parle. Il y en a un risque, il y en a encore, hein. Et pour être complet, vous dire que pour mettre tous les atouts de notre côté sur France 3, cette finale a nécessité énormément de travail, 120 heures pour réaliser cette aire de jeu. Il y a aussi des caméras, tous azimuts. Il y en a 8 qui sont pilotées par Jean-Marc Stabler avec les moyens techniques. De notre ami Olivier Montel, France 3 Méditerranée.
vraiment. Bravo Michel. Pour que le spectacle soit bravo. Total et pour l'instant ça marche. Début de finale, intéressant. Un point. Un point pour l'équipe Guéraud, score Guéraud 3, Molina 0. Je vous rappelle qu'il y a également en jeu la coupe du meilleur pointeur et la coupe du meilleur tireur. Le meilleur pointeur, Jean Cocoyan. La coupe du meilleur tireur, Pierre Broca. Bravo. Formidable. Perfection. Hein. Perfection, Gilles Guéraud. Extraordinaire, Gilles. Quasiment en demi-finale. Il n'a pas perdu une boule, quasiment, faut bien le dire. Pourquoi pas ? Ça fait 3. Ben Molina se tire. Bien Ben. Bon. Bien Ben, il s'est bien repris. Il a débuté sur la pointe des pieds pour le premier tir seulement. Hein. Lui qui fait partie du club de Mandel à Nîmes. Finaliste en 2001. Battu par Henri Lacroix et les deux Max, Poncé et Audou. C'est sa sixième Marseillaise. C'est bien plein devant. Non, ça va. Ah, si, c'est bien plein devant. Oh, c'est pareil. Ouais, passe à la boule, c'est bien. Hein. Passe à la boule, c'est bien. Tu viens là, allez, c'est bien. Pas. Non, allez, pas. Ouais. Allez, pointe à 80. Allez, continue. Allez, continue. Effectivement, ils peuvent très bien gagner le point. Allez. Comme le dit Michel Adam, il est capable de regagner le point, effectivement. Bravo, pas. Eh ben nous. Bravo, super. Bien, pas bien. Ben. Ben Bonidas. Bravo. Sans faute dans cette main. Ouais, ouais, effectivement. Deux là, sur deux. Là, il joue. Tous les joueurs sont au maximum, hein, là. À part cette première boule qu'il a pas bien tirée, mais ils sont tous au top. Hein. Et pour l'instant, que des points, que des tirs. Et ce décor, il est magique, il est unique sur la planète. Regardez, comment peut-on rêver de quelque chose de mieux? C'est formidable. On est en bas de la Canebière, sur le vieux port. Et c'est vrai que ça ne peut être que la fierté de son chef d'orchestre qui, dans quelques instants, va nous rejoindre. Michel Montana, il peut être heureux. Parce que c'est vrai que cette 46e édition sera marquée d'une pierre blanche dans l'histoire, parce que non seulement c'est une compétition hors norme, mais c'est aussi le bonheur de voir ces champions, de ces artistes, qui en plus ont accepté de jouer avec des boules qui ne sont pas les leurs, pour le spectacle de la télévision. Ça, ce sont des vrais sportifs. Aucune boule. Et bravo Michel. Bravo Michel Adam. De toute façon, c'est un rêve hein, d'être là. Regardez, cette tribune, 4000 spectateurs, jouer sur le port, magique. Bravo le mondial encore une fois. Avec très belle vitrine. Idéal, hein. Allez, Mamour. Allez, Mamour. Un véritable gentleman de la pétanque, parce qu'il est de la gentleman pétanque à Lyon. Belle frappe. Ça va bien. Deux fois finaliste de la Marseillaise en 2001, évidemment, déjà, avec son père, avec Ben. Bien sûr. Mais aussi finaliste de la Marseillaise en 2003, avec Joe Bertelucci, avec Castellane. Eux qui rêvent, ces enfants, qui ont été élevés à l'école de la rigueur et qui aujourd'hui brillent dans ce mondial et qui voudraient bien gagner avec papa. Bravo. Le carreau de Robineau. Le carreau formidable, Stéphane Robineau, lui qui a été quart en 2006, demi en 2005. Il avait perdu contre Passo précisément, le futur finaliste. Alors, là on se régale, c'est du bonheur. C'est vraiment quelque chose de magique ici. Oh, il est mal tombé. Ouais. Il est tombé, à mon avis, dans un trou de boule. Voilà. Ah mais t'as un trou, t'as joué dans un trou là. Et toi, des plages et toi tu fais rien. Alors fais-toi-en des plages. Ah, alors vous avez compris. Pourquoi tu fais pas te donner rien comme ça, tu vas jouer dedans. Tu l'as vu dans un trou, toi, moi je vois pas. Ben oui, ma foi.
Ses enfants qui ont été à bonne école, pour l'éducation, c'est le seul lieu, le seul terrain où ils peuvent se permettre d'accrocher papa. Oui, mais ils ont beaucoup de respect. Mais ça fait partie du jeu, bien sûr. C'est-à-dire que les fils, ils rêvent d'égaler le père, tout simplement, puisque le père a déjà gagné le mondial. Et eux, malheureusement, ils ont perdu en finale. Vous vous rendez compte un peu de faire une finale avec son père, mais c'est magique. Oui, et puis quelque chose de fabuleux. Quand on sait qu'au tirage, ils n'ont pas eu non plus beaucoup d'espoir, parce que c'est vrai que le premier qui a tiré, c'était Mamour. Il a tiré, et puis après, il a vu son frère, Jacques Molinas, qui ne joue pas là, bien sûr, mais qui jouait avec les deux Lacroix. Ah, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont affrontés. Alors évidemment, duel un peu fratricide avec les deux Lacroix. L'un est cousin d'Henri Lacroix, l'autre est le frère d'Henri Lacroix, le champion du monde. Jacques Molina, c'est le frère de Ben et le frère de Mamour. Il y avait son père en face. C'était la certitude qu'il y avait au moins un Molina en finale. Et c'était une demi extraordinaire. C'est une histoire de famille. Oui, c'est beau. C'est beau d'ailleurs. Et je pense que c'est tout à fait l'image que l'on peut se faire de ce mondial hors norme, unique au monde. Ah ouais, pas essayer de taper, c'est bien. Non, faut tirer avec le point quand même. Non, pas loin, chez nous. Ah ben faut tirer là. Chez nous. Tirez là. Allez, tirez. Ah mais là encore, ils ont encore une grosse main. Oh là là. Ouais, pas force-toi. Alors ils sont partis pour tirer deux fois, ah, quoi qu'il arrive. Regardez bien, vous avez vu. Là au moins, on a une facilité, même si on détourne l'attention quelques instants. C'est vrai que là, ce soir, tout est beau, parce qu'on sait les boules que Robineau doit tirer. Ce sont les blanches. Ça, il n'a pas fait passer, peut-être. Pas complètement. C'est mal tiré. Ah, si elle passait, hein. Michel Adam tirait pour 6. Hein. Ben, je pointais. Point pour point, pointé. Point pour point, c'est fait. C'est le jeu, c'est pas mieux d'essayer de tirer la blanche pour faire carreau. Je pense que s'ils avaient avancé dans le score, s'ils avaient eu par exemple 8, 9 ou 10 points, ils auraient tiré. Un point de plus, toujours. Là, c'est le départ de partie, vaut mieux assurer les points. Ah, tu le mets, c'est bien. Si vous le dites. Alors, Michel Adam qui va essayer de rajouter. Il mène déjà 3-0. Ça les ferait déjà faire un petit break. À 5-0, finale en 13. Voilà, c'est fait. 5-0, bon départ de l'équipe Guéraud, Adam, Robineau. Je vais servir avec. Ouais, mais toi, tu peux venir là. Moi, je joue là. Ouais, si tu viens de perdre là, c'est pas bien non plus, c'est encore là-haut. Si je joue, je joue là. Bah, là, faut tirer, si tu joues là, j'ai tiré. Tire la mienne, ouais. Allez, tire la tienne. Si tu joues là, tu tires. Allez, pas. Allez, grand. Allez, pas. Alors Stéphane Robineau qui justement a échoué en finale des championnats de France triplette à Dijon 2007, il en est le vice-champion, battu par une équipe du Tarn. Bravo. Il a tiré Stéphane. Bon, alors les champions de France justement, donc le Tarn, Alain Falipeau de Gaillac avec le petit Stéphane Delforge qui a été très très fort. Toujours associé au vieux Briscard, Christian Lagarde, qui avait été champion de France, vous rendez compte, il y a 24 ans, Daniel. Ça, c'est magique. Comme quoi. Et donc, Stéphane Robineau, associé à la famille Rocher, dont Bruno Rocher, champion du monde et coach des équipes de France, et surtout son petit Dylan Rocher, qui est au championnat du monde actuellement, pour défendre son titre, puisqu'il est déjà champion du monde junior à 13 ans, et il a 14 ans. Imaginez-vous. On les salue tous. Oh là, Mamour. Là, il est loin. Regardez-moi ça. J'ai l'impression, Daniel, que la partie est en train de se jouer actuellement à la pointe. Gilles Guéraud. Je suis un peu fort ou c'est un peu la donnée, je ne sais pas. Prend le dessus à Louis Molinas. Elle a quand même poussé la boule. Je ne sais pas jouer si fort que ça. Hein. Moi, je vais jouer pour le gagner. Ouais, pour le moment, c'est comme ça. Pour le gagner, frère. Hein. Moi, je ne vais pas jouer la boule, je vais jouer à côté, moi. Là, elle est mauvaise, la donnée. Voilà, là, c'est bon, là. Parce que là, ça m'a l'air un peu sec, là. Tu vois, c'est mieux de jouer là. Ouais, frère. Eh ben, nous, je suis tombé dur, moi, père. Eh, frère, joue de ce côté, là. Moi, j'ai tombé dur de l'autre côté, là-bas. Là, c'est important pour Ben Molinas de le gagner. Ils sont en retard de boule maintenant.
Bien, Ben. Voilà, c'est fait. Et puis on va saluer tous nos amis africains. Vous savez que grâce à Jean Minot, qui est le directeur du canal France International, CFI, cette finale est relayée dans 25 pays africains. Et nous les saluons tous. C'est la mondialisation de la pétanque, Daniel. Plus je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai perdu contre un Belge, un Arménien et un Hollandais. Vous voyez, plaisir à Michel Montana. Vous vous en souviendrez. Allez, Gilles, essaye. Passe la première, c'est bien. Allez, Gilles. Allez, essaye. Essaye encore. Allez. Faut jouer, Gilles. Ah, là, l'arbitre intervient. Il va dépasser le temps. Alors voilà, petite recommandation de l'arbitre. Pourquoi ? Parce qu'on vous l'a déjà dit, il y a des nouveautés dans la pétanque. Hein, et il faut respecter le règlement. Pourquoi ? Tout simplement parce que, bon, ça fait partie des règlements. Ils ont été adoptés et acceptés un peu par tous. On a une minute. Il n'y a pas de timer, mais il y a une minute pour jouer. Alors quand il y a un petit débord, c'est pas grave. Quand il y a un peu plus, il y a un rappel à l'ordre, ça va pas très loin. Vous voyez la différence là actuellement ? C'est Gilles Guéraud qui fait la différence. Gilles Guéraud l'a fait souvent. On l'a vu dans ce mondial, dans ce marathon. Le point est capital. C'est un pointeur type. Hein. Il aime pointer et il joue très très bien. Oui, puis il est chez lui, c'est son terrain. Ça fait 30 ans qu'il est dans la région. Toujours en face là. Hein, hein frère. Eh bien joué ta boule. Hein, hein. Ta première est bien jouée. Moi je joue pareil. Hein. Voilà. Allez mon petit frère. Si j'ai passé la première, c'est bon. Je suis étonné. Moi, si j'étais eux, je tirerais la boule. Allez, bien. Tirant la première, ils peuvent emballer les deux noirs. Ils auront deux points par terre. Hein. Puisque Michel Adam a assez de boules. Ils ont que deux boules. Parce que c'est pas facile à gagner. Le seul, s'il peut faire éventuellement un devant de boule. C'est pas évident. Votre hésitation était aussi la leur. Ouais. Ça vient bien, ça vient bien. Oh là là, bravo. C'est un choix. Bravo Ben. Allez, force-toi à ta première. Allez Michel. Voilà. Eh mon grand, tu l'as poussé. Allez Michel. Pas se gêner là. Allez, gêne-toi pas, tu feras un beau coup. Allez mon grand. Tu feras un beau coup. Ami. Gardez toutes les noires comme elles sont placées. Suivant comme il tire, s'il frappe légèrement sur le bouchon peut partir à gauche. Hein. Alors Michel Adam. Bravo. Il a bien tiré, il n'a rien cassé du jeu, bravo. Même pas le bouchon. Tire à ma foi, hein. Tire à deux, c'est aussi bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Au point, il n'est pas facile. Hein. Allez, t'as bien tiré de la première. Allez, Michel. Alors, on va tirer pour deux, allez, vous l'avez bien compris. Et puis, on n'a pas besoin de vous la montrer, vous la voyez. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est extraordinaire maintenant. Trop au palais. Bravo. Ça sera 2. Bravo. Mais ça sera 2 et ça fera 7-0. Et ça va faire 7 à 0. 7-0 pour Michel Adam. 2 points pour Guéraud, score 0-7, Molina 0. Le premier équipe annonce Roland Martinez, rédacteur au chef de la Marseillaise, en prix de prime de 50 euros au prochain carreau. Alors justement, le mondial de la Marseillaise a fait quelque chose de bien chaque année. Il récompense le meilleur pointeur par le challenge Jean Cocoyan et le meilleur tireur Pierre Broca. Et justement, je pense que ce sont des gens qui nous ont quittés, de très très grands champions. On aurait pu faire exactement la même chose avec Charles de Gémenos. Et puis Lovino, on va parler de Lovino. Avec Milou Lovino, qui était mon ami, qui était une figure de la pétanque, qui est décédé il y a quelques semaines. Et bon, moi, je pense qu'il nous regarde, qui lui, justement, a gagné cette Marseillaise. Enfin, le Provençal aussi, qui est une figure de la pétanque marseillaise. Et le carreau de Ben. Voilà. Le réveil, peut-être, de la famille Molinas. C'est le moment. On va mettre le feu. Là, il y a le feu, hein, ici. Hein. Il a pris la prime. Voilà. Il a pris des primes.
Allez, Gilles, c'est elle, encore. Allez, encore. Allez, Gilou. Allez, parfait. Allez, encore. Gilles Guéraud paraît bien tranquille là. Et si vous avez n'avez pas pu suivre tous les épisodes de ce mondial, la Marseillaise à pétanque, cette 46e édition, ben vous pouvez tout savoir sur internet. Voilà, France3.fr, vous aurez tout, les interviews, les parties, les performances. Vous pas là. Suivre tout ce mondial dans le détail. Vous avez été déjà près de 10 millions. À venir nous voir. Et on vous en remercie, c'est formidable. On peut jouer dans la mienne aussi, non ? Non, trop bas. Non. Gilles Guéraud un peu court. T'es en jeu. Je suis en jeu dans. Allez, Mi. Allez. Allez, Mi. T'es juste bas. T'es juste bas et court. Surtout court et descendu trop tôt. Mal joué. Allez, Mi. Il a de la chance, Michel. Ouais, c'est une partie non seulement de champion, mais de gentleman. Parce qu'il a fait une petite chose qui nous a surpris avec Marco Foglio. Il a un petit peu balayé le terrain. C'est interdit. Oui, mais enfin, il a raison dans la mesure où l'arbitre est assis là-bas et il dit rien. Que ses adversaires lui disent quelque chose. Alors, voilà, ça fait partie du jeu de pétanque. Après le rétro. Tombe. Le palais, elle est bien tombée, Ben. Oui, il est content, il s'est rassuré. C'est la grande pétanque, là. Hein. Il est bien. Ben, celui qui a gagné 1 million en tête-à-tête en 2005, parce que c'est un grand tournoi. Vous vous rendez compte que sur ce plateau, quand même, il y a deux joueurs qui ont gagné le tête-à-tête. Stéphane Robineau et Ben, justement, le mondial de Millau, et c'est pas rien de le gagner. Hein. Et aujourd'hui, ils sont en triplette et ils sont opposés. Les deux pointeurs ont gagné le mondial, la Marseillaise. Il y a quatre joueurs qui ont perdu en finale et en demi-finale. Il a eu un petit peu de chance, là, quand même. Regardez. Il a légèrement poussé la boule et il a pris sa place. La pétanque, c'est une conjugaison de talents, de stratégie et de concentration. La magie. Bonsoir, messieurs, dames. Là, les gens vont se régaler. Nous y sommes. Oh là. Là, ça rigole pas, là. Regardez ça. Perfection. Celui-là, il est beau. Hein. Vous comprenez pourquoi il y a autant de technique dans cette finale. On peut vous offrir des carreaux, pas facile à tirer en des carreaux multipliés au ralenti. C'est la magie. Ouais. Ça, c'est Stéphane Robineau. Des grands moments de pétanque. Hein. Alors, regardez, il a beaucoup tiré, pas beaucoup pointé. Ouais, il a de la chance d'emmener le bouchon. Je pense qu'il avait gagné quand même. Il avait gagné le point. Possible, mais il aurait été moins beau. Bravo, Stéphane. Enfin bon, il est droit au bouchon, donc il a le droit de l'emmener. Complètement. Sa boule était très très bien jouée de toute façon. Là. Là, cette boule est très difficile à tirer parce que il faut absolument qu'il enlève seul et éviter le bouchon. Il tire pour 2 points. Il est court. Oh là là. Il est court. Quand il est sorti de la main. Et oui. Il faudra le revoir le tir, je ne l'ai pas vu. Ah, pas cette fois. Ah, on perd. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit surtout. C'est dommage parce que ça laissait à Louis Molina justement deux boules en main pour frapper sur la boule de Robineau. Alors, Louis n'a pas tiré encore, une seule fois. Et là, oh là, il est parti, il a le point. Ah ouais. On le voit. C'est ça la différence aujourd'hui. On joue avec des boules noires, des boules blanches et on voit tout. Ça, c'est magique. C'est vraiment très, très beau. Les téléspectateurs, justement, ils doivent se régaler. Formidable Pierre Souvigné qui nous a donné un coup de main, vraiment. On va le remercier parce que c'était pas facile de réaliser cette opération. Allez. Oh, mais l'ami Pierrot est toujours au top dans ces cas-là. Il manque pas grand-chose. Hein. Allez, pas. Allez, bonne soirée. Alors, Stéphane Robineau, c'est bien. Faut le gagner, mais attention.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup dans le noir. Au bout, au loin, il ne faut pas des jumelles. Gagner, on est à 14-15 mètres, mais il y a la ligne de perte. Qui était un mètre derrière. Il a gagné. Regardez bien cette boule, comment il a joué. Il a quand même envoyé cette boule à 11 pas quand même. Hein. Il a pris un drôle d'oreille ici. Super, les gars. Là, on joue maintenant, on joue à 13 mètres à peu près. Si c'est pas 14. Ouais, c'est quand 14. Même. Quand même. Faites des grands pas, Marco. Vous êtes grand. Oui. Il y aura Pierre Dorable. Hein. Ah. Mesurer celui-là et. Il va envoyer demi rafle et je pense que c'est le jeu qui veut ça parce que là c'est vraiment très loin. Rien à cup. Hein. Alors pendant qu'il mesure, on va en profiter pour vous dire que on aura le plaisir. Vous savez que cette année en France c'est le centenaire de la pétanque, c'est tout à côté à la Ciotat. Il y aura des grands champions évidemment pour fêter l'événement, pour commémorer ce centenaire. Et puis il va y avoir une étape des Masters. On va d'ailleurs saluer tous ces champions, notamment Philippe Quintet qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. Il a été battu. Il a été battu pratiquement aux portes du port, si l'on peut dire, justement par Adam Guéraud et Robineau, au terme d'une partie qui aurait été digne d'une finale. Philippe Quintet était avec nous justement pour la demi-finale et qui va donc être à pied d'œuvre pour cette étape des Masters à la Ciotat. Tout ça pour vous dire, parce qu'au vieux Boucau, le 30 août, eh bien, il y aura la finale des Masters que vous pourrez suivre sur France Télévisions le dimanche 2 septembre, 15h sur France 3. Bravo. Et voilà, le vieux lion en rougit. Et il est là, papa Molinas. Et oui. Et voilà, c'est que du métier, ça, Daniel. Comme quoi, il ne faut pas se gêner. Bravo. 2 points pour Molinas. Eh bien, voilà les 2 points pour la famille Molinas. Ils étaient quand même menés 7-0. Ne l'oublions pas et regardez ce public. Il n'y a plus un strapantin de livre dans ces tribunes, ici, sur le port de Marseille. Regardez un peu. Ouais. Il a joué sur le côté quand même, hein. Il a changé. Hein. Au lieu de jouer au milieu, il a envoyé le bouchon sur les côtés. Allez, ça y est. Allez, Gilles. Alors ils prennent l'option de pointer. Je suis très étonné parce que le point est quand même à 40 cm devant. Ils prennent un risque. Allez, j'essaie. Gilles Guiraud va devoir contourner la boule. Et il le fait parfaitement. Bravo. Il le fait parfaitement. Allez, mon petit carton, tu l'as poussé bien pas. Voilà, Ben Molinas a tiré. Oh là là, déplacement de bouchon, Daniel. La boule a suivi. Le but s'est arrêté à 3 cm de la ligne de perte. Hein, et la boule a suivi. Regardez le tir. Le bouchon se déplace, mais il ne sort pas. Vous faites le toit. Je vais jouer boule bouchon, moi. Il faut tirer boule bouchon. Je vais le faire. Allez, pas. Ah, ça va être encore Louis Molinas qui va envoyer demi-coup pour essayer de sortir boule bouchon. Pousse-la un peu, hein. Non, plus d'angle. Ouais. Allez, pas. Pousse-la un peu. Hein, mon père. Ah oui, c'est... Bravo. Et voilà. Yeah. Et il a encore rugi, le lion, hein. Mamour. Hello, Gajo. Hey, Mamour. Où j'ai tiré de l'autre côté là-bas, j'ai tiré. Hein? Ah, je te dis, il est dur à gagner, mon père, moi je tire encore un coup. Hein? Ah, s'il rentre, après tu peux tirer encore. Hein? Voilà.
tire, pas va. Il a raison. Il doit tirer, bien sûr. Il a manqué un peu de force, et regarde, il a bien joué la boule. Hein. C'est toute la différence qu'il y a entre Louis Molinas, le patriarche de cette belle famille, Louis qui a 62 ans, et Mamour, il en a 38. Ah ben, ça manque, hein. En jouant comme ça, ben on y est là. Ah putain. Incroyable. On rentre deux boules et on va les rendre derrière les boules. Lui c'est dès qu'il ne peut pas l'envoyer à la limite de la boule. Hein. Oui, c'est vrai que la main se présentait bien pour la famille Molinas. Mais tu te poses ces questions pas? Oui, le problème, c'est que les deux boules noires sont en plein milieu et elles gênent. Pour Louis Molinas de passer. Et là il prend un risque. Hein. Il a tourné bien, il fait en devant, mon père. Hein. Parce que s'il tourne bien, il fait en devant. Là, s'il fait ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est un coup la Björn Borg ou la Platini, bon. Quand même. Hein. Et là, ils sont pas bien parce que. Essayez, hein. Il y a trois boules, on a deux. C'est pas ma main de là-bas, moi. Je crois que c'est pas le jeu du coup, tirer cette boule-là. Et Michel Adam. Ils ont trois boules encore, son équipe. Hein. Attends. Ah. Là, l'arbitre, il va arriver, j'ai l'impression. Hein, parce que là, ah bon, c'est 8 tard, c'est pas dégoûté, pas. Il regarde la main. D'ailleurs, il regarde son équipe. Et ouais. Tu le tires, moi? Pour l'instant, il a fait la démonstration qu'il était plutôt souple. Oh mais bon, ça y est, il craque. Ouais, le casse le bouchon, on refait. Non, mais en pointant, il est dur à gagner, il y a les deux boules devant, là. Donc, quand la boule, faut la monter ici, et la boule, faut qu'elle vienne là, pour le gagner. Ouais, les d'accord, les nôtres, ils sont bâtards, mais là-dedans, il y a des trous. Je vais tirer de rafle, allez. Les deux autres, ils sont ensemble. Tire de rafle. Mais laisse-les ensemble. Là, c'est pas le jeu. Hein. Là, s'il fait jeu, ça, Louis. Le point de face à la, c'est pas bon, la hauteur c'est pas de la coupe. Bon, parce que si on fait les deux, ils ne sont plus. Michel Adam va envoyer dans les deux blanches, ils peuvent faire. On se tue un point de face. On en tape deux. Tu verras que le coup. On en tape deux, on en perd deux. Voilà, s'il pointe en bien. Tire de rafle. Je pense que c'est le jeu. Je tire de coup, de rafle. Non? Ben. Pointez, vous le gagnez, c'est dur pour le gagner, il faut la monter, la boule et tout là. Ah, vous essayez de taper, frère, allez. Oh là là. Voilà, deux trous, ça va faire beaucoup dans cette main. C'est interdit de tirer. C'est interdit de tirer. Donc vous n'êtes pas d'accord? Ah, pas du tout. Pas du tout. Erreur de stratégie, pourquoi? Attendez, parce que vous pensez qu'on peut le gagner? Parce que maintenant ils peuvent perdre. Ils ont sorti aucune boule noire, regardez. Regardez, ils peuvent perdre dans la main. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est court de données. C'est vrai. Il suffit que Robino tire bien dans les deux blanches, là. Et Michel Adam envoie dans la noire, ils ont gagné. Moi, je regarde dans les deux. Et voilà. Allez. Tous les deux, on peut jouer dans les deux. Je joue la boule, après on peut gagner. Si on manque, on pointe bien, on en fait trois. Allez. Non, mais pourquoi tu as manqué? T'as plaisir, ça? Allez, mon grand. Oh, mais je sais pas. Allez, essaye. Allez, regarde, toi. Allez, bien. Allez, pas, il y en a deux. Allez, de là-dedans. Hey, petit. Alors. On regarde bien. Oui. Allez, frère, force-toi. Ce que vous avez dit, c'est dans le manuel. On peut les faire. C'est page 69. Voilà, ben on va voir déjà maintenant, c'est même page 13 plutôt, parce qu'on est à Marseille. Regardez bien, on va voir ce qui va se passer. Il tire sur les deux blanches. Ah, regardez ce que je vous ai dit. Bravo. Carreau en place. Bravo. Maintenant, Michel Andorre, il envoie dans la noire. Ils ont gagné, hein, c'était 6-13. Hein. C'est incroyable. Ils sont en mesure de gagner là. Et voilà, hein. C'est inouï. Alors là, dans sa tête, ce Michel Adam, qui lui, justement, n'a jamais gagné cette Marseillaise, je ne vous dis pas comment ça doit palpiter. Non, mais là, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie. On a vu Robino extraordinaire face à Philippe Quintet. Non, mais il n'y a pas, il n'est pas passé. Ah, il y en a au moins 4 ou 5. Oui, c'est possible. Mais il n'y en a pas 6, je vous rassure tout de suite. Alors, il va falloir voir ce que va faire Stéphane Robino. Alors, attention là. Là, s'il joue la noire, qui ripe légèrement, il peut rentrer dans la blanche. C'est ce que je voulais vous dire. Effectivement, il faut faire très très attention. Il y a du danger. Mais là, ça fait bouger. Voilà, il a raison, mais là, ça fait bouger. Non, on ne sait jamais. Voilà, tu peux taper les dames. Alors, justement. On le dit, on l'a redit, on va le répéter. Voilà. Est-ce que quand on a la possibilité de gagner, on doit prendre le risque ou pas? Eh bien, on va le savoir de suite, cher Daniel. Je sais pas, tu as joué bien droit, tu as bien monté presque au niveau de la boule, parce que il faut pas se la monter au niveau de la boule. Allez, pas.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le tenterai quand pour même. Vous le faire dire. Là, il ne sait pas, il peut faire une carreau à la boule, il peut avancer tout. Il ne sait pas. Mais il ne faut pas se tromper, hein, attention. Hein. Mais il a tout le monde retient son souffle. Il n'y a qu'une boule d'écart. C'est bien. Voilà. Michel Adam n'est pas convaincu. Il est obligé de jouer à l'extérieur quand même. Et ben 5 points. Ça va quand même faire 5. Et là, le break est fait à l'issue de la 6ème main. 12-2. Ce qui veut dire que les Molinas n'ont plus de droit à l'erreur. Il n'y a plus de joker. Ils sont dos au mur. Il va falloir maintenant trouver des solutions pour survivre dans cette finale. On attaque. Mais là, il faut tirer. Là, ils ont disjoncté quand même. Hein. On attaque la 8ème main. Avec l'équipe qui marquera dans la prochaine main. Allez, Gilles. Maintenant, dès que tu perds une boule, tu as perdu. On attaque la 8ème main. Et c'est Michel Guéraud qui débute les hostilités, comme toujours. Lui qui a été champion de ligue du club PACA et champion des Bouches du Rhône. Je m'en vais loin dans la boule. C'est normal. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Je peux le faire aussi, mais si je joue trop et je prends la blanche, je peux en faire que deux. C'est Mamour que l'on découvre maintenant, qui va aller tirer. Mamour, là. Il faut la taper la boule, hein, impérativement. Voilà. Oh, le carreau, Mamour, Mamour Molinas, lui qui a été deux fois finaliste de l'Europétan en 2005-2006. Que l'Europétan, c'est un grand rendez-vous de la Côte d'Azur du 21 au 23 juillet chez notre ami Jean-Claude Muscat. Et oui, et tout l'été justement, on continuera. 6 fois, ça fait 8. Exactement. On continuera encore l'été justement avec les concours de Millau pour le 15 août. Et puis on pourra être complet, on va dire, il y aura les championnats du monde à Pattaya. On vous rappelle les sélections Loamilly, Dubreuil-Chagnaud, ce sont les champions du monde antique. Ils iront donc à Pattaya en Thaïlande pour défendre leur couronne. Et puis Henri Lacroix, Philippe Suchot, c'est la nouvelle et la deuxième équipe, la sélection. Première sélection pour Thierry Grandet, il y aura un autre champion du monde, Bruno Le Boursicot, coaché par qui? Par le grand maître Philippe Quintet. Martin a perdu son âne pour un peu. Allez, Mamour, il a déjà fait un carreau. Martin. Dans un style très particulier, le mondial La Marseillaise à pétanque. Belle frappe. Oui, Mamour. Ah, il est capable, attention. Hein. C'est un saignant. Hein. Il a beaucoup de cœur et c'est un garçon charmant et très très adroit en plus. Non, mais ils ont en plus, vous avez vu la hargne, la niaque. Ouais, oui, parce que non, mais la main d'avant, c'est la main d'avant qu'ils ont dans l'esprit. C'est ça, un joueur de pétanque. Allez, c'est ça, un compétiteur. C'est pas deux, ça. Ils ne l'ont pas évacué. Il a frappé deux fois, mais il l'a toujours en tête. Puis il a du mal à la digérer. Cette main leur était promise. Ils ont fait deux trous, ils ont mal pointé. Et à la sortie, ils en prennent 5. C'est dur à avaler. Ah, peut-être que Michel Adam a perdu le carreau de. Il manque rien du tout. Voilà, il a perdu. Pas grand-chose, Amy. Oui. Donc pas grand chose. Là, je suis un peu court peut-être. Hein ? Ouais, je suis un peu court peut-être. Ah, joue pareil, tu le gagnes, c'est bien. Hein. Allez. Il manque rien. Hein. Joue la tiens le but, hein. Tiens la boule. Tu le gagnes, c'est bien, Michel. Allez, Michel. Il manque rien. Allez, Michel. Juste un peu le. Tire même la première, mon frère, hein, te gêne pas. Hein. C'est pas dit jouer, tirer même la première. Hein, parce qu'ils vont jouer dessus quand même. Hein. Voilà, frère, tire la première, mon père. Hein, tire la première. Allez, vieux. C'est le jeu de tirer la première, mon frère. Allez. Ils ont raison. Fais-moi plaisir. Ouh là là. Allez. Carreau encore. Ils sont sur une belle main, hein, Daniel. Hein. Encore une belle main, oui. Vous avez raison de le souligner, du haut niveau. Ah ouais. C'est beau. Et pourtant, ils sont. Il ne faut absolument pas qu'ils manquent. Hein. Ils sont bien là encore. Hein.
Ça doit gagner. Allez, Stéphane. Allez, Steph. Allez, Stéphane Robineau. Lui aussi a gagné Millau, vous l'avez dit tout à l'heure, en doublette, mais aussi en tête à tête. Là, il en est. Stéphane Robineau, c'est vraiment son année. Hein. Il y a 15 jours, finaliste du championnat de France triplette. Là, 12 à 2 devant en finale du mondial à Marseillaise. Exceptionnel en ce moment. Alors, on regarde maintenant Ben. Important de la taper. Oh là là. Oh là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pas droit. Pas droit, c'est inquiétant. Ouais, droit. Attention. Ah. Il n'est pas droit, alors on a l'impression. Tourner la main. Oui. Oh là là. Et oui, voilà. Oui. Bravo. Et bravo, oui. Louis Molinas. Bien, mon père. Comme vous l'avez dit, le vieux lion n'est pas mort. Ouais. Ben Molina s'est un peu passé à côté de sa partie, c'est dommage. Tu veux gagner ? Bah, j'ai le point sur la main. Non, le gagne, c'est bien, après il y a un manque perdu. Il gagne le nature. Allez, essaye de gagner, tu le gagnes, c'est bien. Tu le gagnes, c'est super. Là aussi bien, Steph, essaye. Vous avez entendu la stratégie ? C'est génial. Oui. Il faut le jouer comme ça, ils ont raison. Mais oui, c'est bien, après voilà. Il faut quand même d'abord le gagner. Oui, bien sûr. Mais la noire, elle aide quand même, hein, elle fait bien jouer. C'est sa boule. Bravo, Milan. Oui, voilà, bien joué. Fait. Alors, évidemment. Alors là, Louis, faut pas la rater. Voilà. Sinon, le titre est pour Michel Adam, Guéraud, Robineau. Silence total. Oh, il a fait le trou. Voilà. Et bien voilà. Michel Adam. Tiens, sa victoire. Sont les successeurs des frères Jean-Antoine Dubois et de Kader Benefissat qui avaient gagné l'an passé une finale finalement. Vraiment dominé par cette belle triplette plus facilement que prévu. Ils méritent la victoire parce qu'ils ont mieux joué que la famille Molinas sur ce qu'on a vu ce soir. Et malheureusement, celui qui a été un petit peu en dessous, c'est Ben Molinas. C'est dommage. Merci Marco. Merci Daniel. Vous avez vaincu le syndrome des demi-finales, mais vous avez fait mieux, vous gagnez la Marseillaise. Le bonheur est total. Ah ouais, le bonheur est magnifique, même total. En plus, j'espérais ça depuis très très longtemps. Ça fait 5 ans que je tourne autour. J'ai fait 5 carrés. Je passe le droit avec mon petit coup de l'Anistan. Et vraiment, je le mérite et l'Anistan, on le mérite aussi. Parce que vraiment, c'est un joueur de qualité et j'apprécie sa gentillesse. Parce que c'est un monsieur au bout, là. Voilà. Alors c'est vrai Stéphane Robineau, vous êtes un petit nouveau dans cette Marseillaise quand même au niveau de la réussite, c'est formidable. Vous en êtes à votre troisième et vous êtes déjà champion. C'est vrai que c'est ma troisième participation et ceci grâce à Gilles et Michel. C'est vrai qu'on a tourné autour, on a perdu en quart et en demi et c'est vrai qu'on était en finale. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de l'avoir gagné. Ça me touche parce que plus particulièrement parce que j'ai perdu une grande finale il y a 3 semaines de ça. Et là, c'est un grand moment à vivre et je félicite aussi Michel pour sa personnalité qui a gagné, c'est génial. Je suis très content pour moi, mais aussi pour Michel, c'est génial. Merci à vous. Regardez comme c'est beau et magique, Marseille la nuit. Marseille qui accueille, on l'a dit il y a quelques instants, le plus grand concours au monde de pétanque, avec une particularité dans ce concours, c'est-à-dire que les jeunes, eux aussi, peuvent concourir. Mais c'est sûr que les petits princes ont déjà les gestes et le talent des plus grands. Et c'est vrai qu'ils nous ont offert une finale à suspense et à couper le souffle. Formidable. Dans un mondial des jeunes qui réunissait cette année 116 triplettes. C'était formidable. Et sur le carré magique, ici, il y avait pour la première... Enfin, pas là, c'est la deuxième fois qu'il y a une jeune fille qui participe à la finale du concours. Et... Oui, d'origine espagnole, et elle a été une vraie chef de file. Vous allez pouvoir l'admirer et en tirer des leçons les uns et les autres. Regardez. Finale du mondial des jeunes. C'est tout de suite, c'est maintenant.
Un mondial réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Ils étaient 116 au départ, ce qui représente 348 joueurs, 116 triplettes. Ce n'est pas le record, il y a eu mieux dans les années passées, mais les meilleurs sont ici, sur le Vieux-Port. Et l'on commence maintenant, on va vous présenter ces acteurs. Et pour vivre cette finale très attendue, pour découvrir ces petits princes, nous avons le champion de la formation, c'est Marco Foyot. Merci Daniel. Allez Dolores. Allez, c'est rien pour toi. Alors Dolores a déjà pointé. On regarde maintenant et on l'a vu s'appliquer. C'est le petit Anthony Santiago. C'est homme pouce. Il culmine à 1m35. Et regardez Dolores. Dolores Virtuolotti. Elle a des origines espagnoles. Elle a 14 ans. Et elle joue déjà très très bien. Elle fait quelque chose. Un très très beau geste, Daniel. Déjà. Allez, essaie de faire quelque chose, allez Nico. Allez, bonhomme. Et comme ça, après moi, je suis pas loin. Ouais. Nicolas Rioli. Et voilà, c'est parti. Et ben voilà. Première phrase. Ça rigole pas, hein. On n'est pas là pour plaisanter. Allez, toi. Ouais, c'est plaisir. Geste magnifique du jeune. Regardez-moi ça, c'est beau, hein. En vous précisant. En vous précisant qu'en 2006, on va rappeler les vainqueurs Valentin Faure, Anthony Garriga et Gaël De Benedettis. Ils avaient battu une triplette de l'Héro, Anthony Sarli, Jérémy Serraille et Jonathan Balotta. Qui va succéder à la triplette Faure, Garriga, De Benedettis? Finale en 13. J'ai une équipe. L'année prochaine, tu joues et moi. Ouais. On va essayer de faire ma mémoire. Un poil court. Il a déjà perdu deux boules, c'est dommage. Enfin, il faut qu'il s'habitue, hein, le temps de bien comprendre le terrain. Je passe, bouge pas, j'ai pas le soleil. On a mal à la tête. On découvre Karim Lechep. Il a 13 ans. C'est sa deuxième participation à ce mondial des jeunes. Et déjà, l'an passé, il était en demi. Il a donc fait déjà mieux. C'est pas au point, t'as eu ? Et il a pas mal joué. Il était en demi, justement, avec Florent, son partenaire d'aujourd'hui. Il faut attirer devant, après, les gars. Non. Non, on va pas tirer si. D'abord, il va en pointer d'abord. Si en pointant, on peut en mettre 5. Ah, la première devant, on tire la première, après on rentre. Non, non, elle n'est pas dangereuse la première. Non. Moi, je te dis, si il se colle, si il se colle, il vient là. T'as la place. Comment on fait? S'il reste court, on va frapper. Comme ça, après, il a la place de trop long, quoi. Eh oui. On a encore 3 boules. Même si le bouchon va venir là, après, il y a ta boule là-bas. Faut en tenter une. Allez. C'est vrai, je frappe. Eh, bonhomme. Pas mal. Daniel, on se régale. Ah ouais. Hey Nico. C'est un vrai bonheur. Ah ouais, ça, c'est fais un petit effort. Allez, vous ne bougez plus. Vous vous mettez bien dans le canapé. Et on apprécie bien, les frappes. Bravo, et voilà. On n'a pas de pression. Bien joué, bravo. Et Tony, maintenant, t'as la place. Hein. Il y a l'insouciance de cette jeunesse talentueuse. C'est un vrai bonheur, un régal. Allez, et je suis sûr que vous allez apprécier cette finale. Eh, Tonio. Eh, bonhomme. Tonio. Tonio, c'est Anthony Santiago. Essaye de faire encore un petit effort. Il a 12 ans. Il est du club du Pradet. C'est dans le Var. Regardez-moi ça. Bien, bravo Nino. Il se pose pas de questions. Hein. Allez, essayez de rajouter. Allez, mets-en une. Allez, vous imaginez pour ces jeunes, Marco, avoir son nom au palmarès du mondial La Marseillaise. À mon époque, ça n'existait pas. Ah oui. Puisqu'à mon époque, il n'y avait pas de championnat de France, ni minime, ni cadet, ni junior. On attaquait directement dans le dur, hein. Il fallait jouer avec les seniors. Hein. À l'époque, justement, des Hautieux, des Lebeau, des Sarnito. Et voilà. C'était une grande époque. Alexis Naïtsidous. Là, il n'est pas au jeu, là. Oh, même si c'est long, c'est pas grave. Alors, Alexis a 13 ans. Il est le milieu de cette formation. Ils sont du club Les Arcs. Et il a été 10 fois champion du Var cadet. Quand ça commence à compter quand même. Non mais il a commencé à quel âge? C'est ça qui m'inquiète. 2 ans peut-être, non? Je sais plus. Ouais, en barboteuse. Ouais, peut-être.
En tout cas, c'est là, elle est bien dans la barboteuse. Hein. Elle a bien, bien joué. Hein. Bravo. Alex, prends l'or. Ça part fort. Putain, la première, je comprends pas. La première, je ne joue pas dans le jeu, la première. La première, je ne vais pas jouer dans le jeu. Voilà, la première main est courue. Et ce sont les petits hommes en blanc qui ont marqué les premiers points. Un coup d'applaudissement pour ces jeunes. Alors 4-0. Merci pour eux. 4-0 pour la triplette Nicolas Rioli. T'as vu si tu fais tirer deux fois déjà ? Allez, droit, droit bouchon. Eh Tonio, je l'envoie là déjà. Eh bonhomme, fais l'effort. Hein. Allez. Eh Tonio. Prends-le. Bien, bien. Bien joué, hein. Casquette vissée, gestes soignés, dextérité, habileté. Les jeunes ont déjà toute la panoplie et l'attitude des grands. Vous êtes bien dans le mondial des jeunes. 4 jours de compétition. 116 triplettes au départ, 348 joueurs à l'arrivée. Un tournoi réservé aux 6-14 ans. Moi, je trouve que c'est une très très belle promotion pour la pétanque, justement, pour les jeunes. Et Dolores. Il faut remercier Montana pour ça, parce que ça, c'est exceptionnel. Et oui, Michel. Ouais. Qui fait tout pour la promotion de la pétanque. Quand on sait que ce mondial est le plus grand tournoi du monde. Eh, Tony, rappelle-toi de ta première donnée. Et si les champions sont ici, il y a tous les autres qui viennent pour le plaisir, celui de participer à cette compétition. Hors du commun, et regardez de quoi est capable Anthony Santiago. C'est un petit phénomène, hein. Maintenant, on dira avec un nom comme ça, Santiago, c'est une grande famille de pétanqueurs. Hein. La pétanque. Dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup de Santiago, Daniel. La ça pétanque, joue très très bien. Premier sport loisir en France, il y a plus de 20 millions de pratiquants. C'est son premier trou. À Karim. Allez, Karim. Allez, cette fois. Bien. Bravo. Bien rectifié le tir. Je vais m'en sortir. Ça va, t'es resté. C'est pas boule. Allez. Allez, fort. Non, décidé de tirer, c'est bien joué. Hein. Puis vous avez vu, les jeunes ont changé de côté pour éviter l'ombre. Bien, allez. Brave. Bien tiré ça, Nicolas Rioli. Sans contre, hein, c'est beau. Hein. Mais alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il joue à une vitesse. Il ne se pose vraiment pas de questions. Hein. Oui, quand on sait que dans le règlement, tout de même, on ne l'a pas ici au mondial, il n'est pas toujours sur les grandes compétitions, mais parfois, le timer, vous rappellerez à l'ordre, on a droit à 1 minute pour jouer. Faut-il le souligner ? 1 minute. Pour jouer sa boule. À rouler, celle-là. Allez, Flo. Allez, Flo, rattrape-moi. Florent Ayot. C'est beau, ça. Ah, relève, ils sont là. Hein. Ah, la relève est là. Ah, c'est la relève. Hein. Je suis inquiet pour vous, Marco. Oh, j'ai encore une bonne quinzaine d'années, Daniel, devant moi. Oui. Faut faire vite, hein. Faut y penser, quand même. Faut compter les points. Peut-être que je jouerai avec eux, hein. Ils feront peut-être gagner la Marseillaise. Hein. Oui. Allez, Nico. Ou ils vont passer à la casserole, peut-être aussi. Allez, Nico. Allez. Allez, c'est bien tiré. Allez, fais un effort. Allez. Nicolas Rioli. Il est du Pradet, 6 fois champion du Var. Il a réussi le triplé en 2007. Bon, qu'est-ce qu'il tire, Minou. Ce gamin triplé finale, en 2007, ça veut dire quoi? Qu'il a gagné en tête-à-tête, en doublette et en triplette. Ça laisse pas beaucoup de place aux copains. Non, grand chelem. Je t'emmerde. Oh, franchement, arrête de parler. Il a gagné.
Comme on est au vieux port, je dirais qu'il a mordu. Bonjour. Un petit mètre. D'accord. Il doit beaucoup qu'il est à nous, là. Non ? Ah, mais toi, d'abord. Ah, regardez. 57,4 au début. Et tout ça pour vous dire, puisque le temps que l'on mesure le point, que justement, bientôt il va y avoir le mondial des jeunes, championnat du monde des jeunes au Japon. Et oui, c'est en ce moment même, Daniel, au Japon. Hein. Je veux le même que ça, d'accord ? Le même que ça, elle est même. Elle est aussi dans la parle un peu. Viens là, viens. Viens là. Allez. Oh, t'as quoi là ? Parle un peu. Elle joue en direction de ta boule. Sois pas court. Je pense que le petit, il faut le laisser tranquille. Oui, voilà, c'est sa nature. Pas le même âge, hein. Nicolas est en train de l'aiguillonner un petit peu en demandant, en demandant à Anthony Santiago de parler, mais bon. Tu n'as pas envie. J'ai un. Deux. Excusez-moi. Ah, je pense qu'il y en a trois. Alors un ou deux ou trois. Merci. Un petit coup de maître pour voir s'il y en a trois, simplement. 59, 8. Ce qui serait quand même déjà un sérieux break pour la triplette de Nicolas Rioli, d'Alexis Naitsidous et d'Anthony Santiago. Eh bien voilà, 3 points. Quatrième main, attention. Il va véritablement falloir stopper l'hémorragie. Pour l'équipe. Oui, là ça va vite. Hein. Pour l'équipe de Florent Ayot. Madame, là, il faut une réaction de l'équipe Ayot. Hein. Il n'y a plus trop le choix quand même. Eh, mais c'est important. Allez, bonhomme. Allez, la première. Elle fait l'effort. Allez, essaye de faire tirer. Allez, Tonio. Oh, prends-le, il a fait l'effort. Bien, bien, bien. Elle est là. C'est pas. Elle est là. Fais gaffe, c'est en descente. Bon esprit. Tout de suite, ils sont là en train de venir à Santiago. T'inquiète pas, bonhomme. Je les perds, tous les points sont perdables. Jusque-là, c'était bien. C'est pas grave. Dolores. Dolores vers Cholotti. Super. Super, bravo. Elle fait sa partie. Hein. Venez là, venez là. Elle joue bien. Vous pouvez aller de l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, Nico, allez, bonhomme. Allez. Ah, les ombres gênent, effectivement. C'est de rattraper. Hein? Allez, Nico. Bien, bonhomme, bien. Bravo, hein. Ouais, il y a du talent, hein. Ça fait des grosses moyennes, hein, parce que jusqu'à présent, il a tiré. Il a tiré, nous sommes à la 6e main, 7e main. On attaque la 6e main, Marco. Il ne manque qu'une boule, hein, c'est bien. Et pour l'instant, il est impressionnant, ce jeune Nicolas Rioli. On a une belle boule d'attaque. Elle faisait un tour de moins, c'est pas mal. Faudrait qu'elle perde. C'est Lucky Luke de cette finale des jeunes, le gaucher. Et Dolores. Bravo, très bien joué là dans cette main, Dolores. Ouais, le seul petit accroc qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir raté une boule de points. Ouais, elle a perdu en tirant, mais bon. Mais elle a des circonstances atténuantes, elle pointe. Et Nicolas qui continue, ça tape. Hein. Il change quelque chose. Vous l'avez dit, Karim est devenu le milieu. Non, gagne-le. Oh là là, Karim. Non, je suis pas. Sors du rang, Karim. Je suis toujours là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il faut qu'il se reprenne, Karim. Là. Il faut qu'il prenne son temps. Vous avez vu, Daniel, il allait de suite envoyer la deuxième. Et c'est une erreur. Le formateur Marco Foyot vous dira toujours, sortez du rang, reprenez un peu d'oxygène, il n'y a pas le feu. Bien sûr.
Et ses copains l'ont bien compris, hein. Il avait un peu la tête sous l'eau, là, Karim, en voulant se précipiter. Regardez ces trois jeunes, avec Dolores, avec Karim. Je sais pas pourquoi on a tourné. Alors, Alexis. Il se pose des questions, pourquoi ils ont tourné. Ben, il faut faire quelque chose. Il a un tir riche. Oui, il a vraiment ramassé. Je crois que ça devant, j'allais faire carreau. Elle a bombé, je tape un centimètre avant. Oui, la boule, lui, deux. Frappé deux fois, on marque. Perdre deux fois, ouais, et même si on arrive à faire deux petits palets. Ah, merci. Et il doute de rien. Hein. Non, c'est-à-dire, il positive tout. Ouais. On n'est même pas là pour envisager une frappe moyenne, on est juste là pour penser carreau. C'est tout. Mais lui, Nicolas, il faut qu'il pense surtout à gagner le point maintenant. Non. Nicolas. Oh là là, non, c'est, là. Là, c'est une grave faute parce que... C'est dommage parce qu'ils pouvaient marquer, Daniel, encore. Ils étaient boule à boule. Hein. Ah là, ça, c'est pas bien joué. Mais je la pose déjà. La différence se fait là, à l'image de cette sixième main, on le voit. Les autres sont vraiment constants ensemble. Il est pas entré dans sa partie, le petit Nicolas. Voilà. C'est dommage parce que on aurait peut-être vu le petit Santiago tirer s'il n'avait pas raté la boule. Alors voilà Alexis Naïtsidous. Une frappe, attendez, il peut gagner là. Hein. Mais s'il fait carreau, oui, s'il fait palais, il a gagné. Parce qu'après, le petit Santiago, ben, il va pas se gêner hein, pour la mettre. Il ne s'est jamais trompé quasiment. Et ça, ça serait une finale vite expédiée. Alors, allez, Alexa. Poussez-la. Un trou, c'est le sursis. Une frappe aussi. Un carreau, c'est quasiment la gagne. Il y a un contre et il y a le bouchon qui est devant. Et c'est le titre. Oh là. Oh oui, là, quand même. Je fais crochet. Allez, frappe-y. Nous gagner. Non, je fais carreau. Ah, ça va, voilà. On pensait à Santiago. Hey, Tonio. Qu'est-ce qu'il va faire, Tonio? Attends-moi. Hein? Je suis pas sûr que c'est le jeu. Allez, bon. Allez. De tirer. Essaye de me rattraper. Mal tiré sur Ahmed. Ben, s'il vient, il frappe. Attention, s'il emmène le bouchon, il peut le payer cher. Les gamins l'ont pas vu. Oh là, il s'est envolé. Allez, hein. C'est rien, les gars, on aura notre main. Hein. Allez. Eh ben voilà. À la sixième main. Au moment où ils n'y croyaient plus devant ce public ravi, les Bleus viennent de marquer leur premier point. Rendez compte qu'ils jouent à plus de 8 mètres, là. Ils ont joué à 8 mètres 50. Hein. Sûrement une des mènes les plus spectaculaires de cette finale. Dixième mène, toujours 10-5. Et nous entamons la neuvième mène. On avait le sentiment que tout allait se terminer rapidement. Allez, d'entrée, Dolores, t'as compris ? Et c'est ce qui fait le charme de la pétanque. Allez. Rien n'est jamais fini. Tout peut changer rapidement. Allez, Dolores. Ben, complètement. Hein. Une partie peut durer une heure et demie, deux heures, voire trois heures même. Hein. C'est arrivé déjà. Hein. Oui, surtout que Rioli a mené 10-0, rendez-vous compte. À trois points de la victoire, ils sont toujours scotchés là. Certes, les autres n'ont que 5 points, mais super. C'est pas fait. Eh oui. Bravo. Elle donne rien à la petite Dolores. Hein. Elle va bien. Allez, Nico, allez, bonhomme. Allez. Allez, ça là. Allez. Allez, bonhomme, allez. Eh oui. Partir, celle-là, c'est bien. Elle est pas mal allez, tirée. Nico, allez, bonhomme, fais l'effort. Bien, Nico, voilà. Bien. Alors il l'a enlevé, mais partir, quand bien. Même. C'est un petit événement, il n'avait fait qu'un trou jusque-là, c'est son deuxième, évidemment, ça arrive à tout le monde. Hein. Là, il fait des grosses moyennes, hein, parce qu'il a dû tirer à peu près 16 boules. Il doit être à 14 frappes, hein. C'est pas mal quand même. Il fait tirer un peu là. Alors un joli pull de la part de Dolores compliquerait quand même la tâche de l'équipe de Nicolas Rioli. Non.
Vas-y, continue, continue, continue. Yeah. Elle a bien joué. Bon point, hein, encore. Hein. Regardez, c'est le boulevard venir un petit peu. Allez, bonhomme. Voilà. Allez. Elle a fait sa main. C'est de bien pointer. Ouais. Allez, bonhomme. Mais Santiago, qui ne dit mot, est un poil court. Ah, c'est pas mal. Elle est là. Elle est là quand même. Ça m'a un peu plus fort. Allez, celle-là. Allez, Tonio. Elle est bien jouée, sa boule. Il lui manque pas grand-chose. Eh, bonhomme. Allez. Faut pas se prendre des grosses mains, c'est tout. Là, il est là en bas, contre. Oui. C'est rien. C'est rien. T'en sais que tu en joues une ? C'est rien. Alors, il y en a un qui dit que c'est rien. Et l'autre. On peut pas gagner, on peut pas. Même si il embouchonne deux fois, comment tu veux gagner ? Alors, ça. Implique-toi un peu, c'est pas les poules, là. Ça, il faut jamais parler comme ça. C'est rien. Nicolas. Viens dans la partie un peu, on dirait que t'es pas dans la partie, viens là. Faut pas faire ça au petit Anthony, il allez, est beaucoup plus jeune que toi. Oh, tu faisais que des bouchons, tout à l'heure je me dis, j'ai fait que des bouchons. Allez, alors on va gagner cette partie, je m'en perds. D'autant qu'il n'était pas irréprochable dans cette main, il a déjà fait un trou. Et ça tombe plutôt mal qu'il donne des leçons à... Et là, il s'y prend allez, mal. Gars. Autant Alexis est irréprochable dans sa conduite, bravo, Alexis. Autant Nicolas a tort de parler comme ça à Anthony. Surtout qu'ils sont pas, il n'y a pas le feu, hein. Ils sont 10 à 5 devant. Allez, pour ça. Allez, droit. Tout va bien. Allez, hein. Flo. Là, il y a les ombres hein, sur le terrain. Allez, Flo, plaisir. Oh, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, il a fait vraiment une casquette. Bien tiré, hein. Alors ça, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Ouais, c'est rien. Ça arrive, hein. C'est pas... Il a tiré à la perfection, le petit. Hein. C'est pas un coup rare, ça arrive à tous les champions. Ouais, ouais. Regardez. Il a fait une casquette qui a fait soulever la boule. Allez, Flo. À 2 mm près, c'est carreau. C'est carreau. C'est fou. Oui. Elle est partie, c'est ce qu'il fallait. C'est important pour lui parce qu'il aurait été vraiment malheureux hein, de, s'il avait manqué deux fois. Là, il tire moins bien parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Mais il a la réussite, l'autre était mieux tiré. Karim, tranquille. Hein. Le regard sous sa casquette jaune. Alex. C'est-à-dire que c'est deux boules à une. Ouais, deux pour une. Normalement, les bleus pourraient marquer et revenir un peu plus dans cette finale. Ah, et c'est même. Ah, laissez devant. Laissez elle n'écolle pas. Alors. Je vois sur la boule. Laissez-la. On va tourner. Si Karim pointe bien, il y en a déjà un. D'accord. On peut rajouter. En jouant au maximum, ça fait trois. Ouais. Non, c'est de l'autre côté. Une sur deux, c'est bien. C'est bien joué parce que la boule de Nicolas qu'il a joué là. Ça peut gêner Karim, justement. Et une sur deux, ça ferait 10. Il ne faut pas qu'il soit présenteux, Daniel. Il faut qu'il joue vraiment doucement. Il ne faut pas qu'il donne le point à l'adversaire. Parce que les boules sont vraiment devant. Ne marque pas. Allez, t'as mis un sur deux, t'as fait gros jeu. Exactement. C'est le danger, exactement. C'est ce que nous disions. C'est très bien joué s'il en met un sur deux. Allez. Et surtout, c'est preuve de lucidité. Allez, fais plaisir. Et de réalisme. Allez, va doucement. Il est court. Bravo, bien. Bravo. Je crois qu'il y est. Il y est peut-être. Il y est ? Ouais, il y est. Alors, s'il a mis, là, maintenant, il faut qu'il joue vraiment à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il prenne le risque. Plus haut. Évidemment. Bah oui. Je t'en fous de pas le mettre. On est 7 à 10. Casse. Te démarque pas. Casse. Joue bien à gauche. Allez, Karim. Allez. Quitte à ne pas le mettre, c'est la parole du sage, Florent Ayot. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'était limite. Hein. Bon, déjà un. Limite. Attends. Alors là, les petits sont tous au milieu, là. Tiens avec moi. Il y a le deuxième, non. 50. Voilà, il le mesure peut-être pour en avoir deux. C'est vrai que Karim
Ils ont 2 points déjà. Ça a créé des émotions parce qu'il aurait pu. 2 points, ben il a rempli son contrat. Voilà, ben c'est ce qu'on lui demandait, mais on a craint le pire. Il aurait pu se démarquer, il aurait pu donner le point. Et ben voilà, 2 points, c'est ce qu'ils espéraient. À l'issue de la deuxième mène, ça fait 10 à 7. Pas mal quand même. Ces jeunes qui étaient menés 10 à 0 devant ce public de connaisseurs. Et ça fait déjà 5 mènes qui sont à 8,50 m. Hein. Il envoie toujours le bouchon loin. Hein. Allez, fait plaisir. Elle est importante la première. Ah, fais gaffe, il y a beaucoup plus de sable ici. Hein. Mmh. Ça, ça, ouais. Allez, c'est bien. Allez, Dolores. Allez, on continue. Hein. Et cette marque, ils la doivent tout de même. Dolores. Ils la doivent tout de même à Dolores, qui a formidablement joué dans cette 9e mène. Et que fait-elle super. À l'attaque de la 10e? Elle est formidable. Elle tient la partie, la petite. Hein. Allez. Ça va être intéressant de suivre maintenant la suite et fin de cette finale pour voir si les autres peuvent avoir un peu de pression. Bien, vous voyez, c'est ça, ça que je voulais vous dire. Parce que quand il y a de la pression, on n'a plus du tout les mêmes sensations. On n'a pas le même bras. C'est pour ça que ce qu'il disait tout à l'heure. Il faut qu'il soit irréprochable pour parler comme il a parlé. C'est important, gagne-le. Tiens donc, alors là, ils ont complètement changé. Oui, ils ont changé. Ah ouais, ils prennent... Alexis Pointe. Prenez une option, hein, c'est... Allez. Bien joué, gagné. Allez. Mais ce petit bout de chou, quand même, il doit penser, qu'est-ce qui m'arrive, non? À chaque fois, il tape dans la main. Je pense que pour Noël, il va demander Dolores, des moufles. Allez, Dolores, rappelle-toi, pareil. Hein. Allez, Dolores. Allez, gagne-le. Si elle joue comme la troisième, mais la même que tout à l'heure, elle a gagné. 40 cm d'écart, 20 kg d'écart aussi. Ah oui. Oh, elle l'a bien levé, elle a bien jeté. C'est remarquablement joué, ouais, ça. Ça va bien. Oui, Dolores, bravo. Quelque chose, allez. Hein. Allez, Nico. C'est rien, bonhomme, c'est rien. Il s'est déconcentré, je crois, sur la mène d'avant. Il s'est énervé après le petit, là, le petit Anthony. Alors qu'il devrait rester puisque c'est lui le grand. Ils n'ont que 7. C'est un petit peu lui, le chef d'équipe. Si je joue comme ça, je m'en fous, jette les bons, je m'en bats les couilles. Oh là là. Oui, il va falloir un peu se calmer, reprendre ses esprits. C'est vrai que quand on mène, c'est bien, mais quand il y a un peu le feu dans la maison, il faut savoir se calmer, faire attention à ce qu'on dit, c'est sûr. 10 à 0 devant. Prends-le ! C'est sûr que ce qu'a fait Nicolas tout à l'heure... Je m'en fous, moi. Ma foi, je tire pas volontiers tout à l'heure. J'ai dit, je tire pas volontiers. On a 10. Tire volontiers, au moins. J'ai manqué. Allez, pointe bien. C'est un petit peu nerveux, ces gamins. Il va falloir qu'ils apprennent 2-3 petites choses que le formateur Foyot pourrait leur inculquer pour leur futur. Je les prends volontiers. C'est dans les C1, là. Ça va, tu es déjà rentré. Le petit aurait dû ressortir du rond encore. Pas dans le jeu. Il fait la même erreur. Il n'a pas joué au jeu. Dites-moi, Marco. Ils ont des boules, ouais. Ils en ont beaucoup. Le problème, c'est de savoir quand on en a beaucoup, quand on est jeune, il ne faut pas s'enflammer, il faut juste s'appliquer. Antoine, c'est toi qui nous a niqué la partie. Pointe-toi. C'est quoi? Tu vas pointer toi. Allez, va doucement. Allez, Karim. Allez, on en a besoin. Et voilà. Super. Alors, il y en a 2. Et ils ont encore 3 boules. Ouais. Allez. Allez, Karim. Allez, je vois pareil.
Allez. Et ben, regardez le coureur Karim, c'est beau. Carton plein, c'est beau, hein. Karim. Pour l'instant, il y en a trois. Alors, on va voir maintenant ce que va faire Florent. Allez, t'arrêtes les boules. Allez, on est pareil. On fait du bien, on s'encourage, c'est beau. On a presque envie de dire que la boule des adversaires, celle qui est devant, elle est presque un guide. Quand on sait qu'on a passé celle-là, on a quasiment le, on est dans le jouer sur la droite, effectivement. Ouais. Oh, il y a encore aussi, il a fait le bec. Et oui, ça là. On parlait de cette guide, boule, hein, précisément. Regardez, il va faire le bec sur cette boule qui était le repère. Allez, Flo. Allez, t'en as quatre, faut regarder. Allez, Flo, t'es capable. Si tu le mets, t'as bien joué. Allez, Flo. Allez, Flo. Ah, c'est sûr. Pour l'instant, il y en a quatre. Allez, elle est importante ta boule. Allez, Flo. Arrive, ma biche. Extraordinaire quand même. Et ça, c'est un petit événement, parce que tenez-vous bien. Petit événement. Il y en a 5. Il y avait un petit doute. 5 points. Regardez, regardez la hargne, la rage, la niaque de Florent. 5 points, ce qui veut dire que pour la première fois, ils prennent les commandes de la partie. Mais pas au mauvais moment, 12-10. Vous vous rendez compte, ce qu'on disait tout à l'heure, une partie n'est jamais finie. Hein. 10-0, ils sont passés devant. Et c'est incroyable parce que les Blancs, ils se sont énervés, alors qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver. Attends. Ils ont tout faux. Il a dit qu'il était mais bon. Surtout, celui qui a faux, c'est Nicolas Rioli. Il a pris... Il a mis la pression à ses partenaires. Une attitude qui était mauvaise. Il n'a pas positivé. Il y en a un qui ne peut rien se reprocher, c'est le petit Santiago. Ah oui. Le petit Anthony Santiago, lui, ne dit rien. Il ne souffle mot. Alors, le bouchon était un petit peu long. Là, il est encore long. Il envoie à 9 mètres, lui. Hein. Il rigole pas. Hein. 3 lancés. Okay. 8 mètres. Allez, fais plaisir. Allez, Dolores, c'est la première qui va compter. Allez, tu la laisses devant, c'est bien. Allez, c'est la première. Reste tranquille. Tu l'as mis tranquille, la boule. C'est bien de jouer positif. Hein. Allez, Dolores, c'est maintenant. Allez, Dolores. Il faut juste se souvenir que chaque fois que Dolores a mis les boules, toujours a fait marqué. Carton plein, a été superbe au point, les Bleus ont marqué. Bravo. Bien joué. Et Dolores je te reconnais. A mis son régulateur. Elle n'est pas moins. À droite, il va tirer. Mais pas plus de 10-15 cm du bouchon. Allez, ils ont retourné. Continue, allez, bonhomme, applique-toi un peu. Hein. Allez, fais un effort. Et le petit Anthony a repris le point. Aïe, aïe, aïe. Tiens, je tire le bouchon. Non, tire la boule. Elle arrête un peu. Hein. Tire la boule. Laisse-moi tirer le bouchon. Tire la boule. Oh là là. On a 4 boules pour retirer. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais il est pas positif, bon, hein. Le bouchon. Qu'est-ce que tu veux ? Je tire le bouchon. Mais pourquoi il tire au bouchon ? Parce qu'il a envie de tirer le bouchon et il a disjoncté totalement. S'il le tape, il sera content d'avoir pris cette option, mais c'est pas la bonne. S'il le manque, il risque de faire perdre son équipe. Hein. Tu tires encore au bouchon ? Ah non, mais ça y est, ils sont partis là. Attendez, Marco. Mais ça va peut-être pas les sauver. Bien sûr qu'il a accroché le bouchon, mais il n'a plus de boules. Ils en ont déjà joué 3. Il va falloir jouer une 4e boule. Et les autres jouent pour un point. Elle n'est pas finie, la main. Ça fait loin, là, les bonhommes. C'est bien, le petit Alexis. C'est important, là-haut. Naïd, c'est Sidou. Il positive. Sors du rond.
Avoir le jeu où je tape. Elle fait un petit effort. C'est pas juste. J'ai le droit. Surprenant, Nicolas, il est en train de mettre une pression, une pagaille dans son équipe alors qu'ils avaient cette finale à portée de main, tranquillement. Et là, ils font tout à l'envers. Il l'a gagné, mais il est gagnable. Et le problème, le petit Santiago, il n'y est pour rien dans tout ça. La différence, c'est que la petite, elle y va avec le sourire, vous voyez ? Ben oui, et puis surtout, si elle le gagne, déjà elle aura fait beau. Et là, je pense que ça va être compliqué pour Alexis Naïd Sidous. Allez, c'est plaisir. Allez, c'est rien pour toi, ça. Allez, t'es capable. C'est plaisir. Une finale qui a commencé déjà depuis plus d'une heure. Et regardez Dolores. Exceptionnel Dolores. Parce que la reprise était emportante. Regardez ce joli sourire. Ouais. Comme souvent on dit que les filles ne peuvent pas jouer avec les garçons. Eh bien, elle fait la démonstration à la fois avec sa décontraction, sa gentillesse et son talent qu'elle mérite d'être dans cette finale. On sent la gentillesse dans cette petite. Et là, croyez-moi, Alexis Naïd Sidous du Club des Arcs, lui qui a été 10 fois champion du Var, catégorie cadet. Il a un gros contrat, mais il a bien joué, mais il est long, il est long, il est long, elle roule. Est-ce qu'elle a gagné ? C'est pas sûr. C'est mal joué, ça. Non, c'est pas mal joué. Elle a bien joué. Ah, merci. Je pense pas qu'il y soit. Alors, il l'a peut-être perdu. S'il l'a perdu, là, ça va être de plus en plus terrible parce que derrière, vous avez vu de quoi est capable Karim à 10 mètres. Et ils auront 4 boules pour en frapper une. Autant dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'espoir pour la triplette de Nicolas Rioli. Et il a perdu, Daniel. Il l'a perdu et c'est quasiment peut-être la fin de cette finale. Il faudrait vraiment un concours de circonstances incroyable. Qu'il emmène le bouchon vers sa boule, qu'il en ait deux. On peut imaginer tout. Quand on pense que cette triplette menait 10-0. C'est vrai. Cinquième main, 10-0. Comment imaginer un tel renversement ? Le silence se fait sur le vieux port. Il est long. Oh, il a peut-être gagné. Mais je crains que ça ne suffise pas. Ah, Karim, il sourit. Hein. Oui, il a le sourire et pour cause. Oui, il va le mesurer. Peut-être qu'Alexis l'a gagné. Maintenant, vous savez, ils n'ont plus de boules. Vous rendez compte que les autres en ont quatre. Il a dit, mon père, que... Quatre boules pour gagner, Marco. 37-5. Il est là. Avec mon plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marco ? On tire, on pointe ? Tire comme tu veux, qui lui dit. Ah ben voilà, tire comme tu veux. Parce que là, là, il y a 12 mètres. Hein. Oui, mais Florent Ayot, s'il met droit, il a juste tiré droit, là, même de raf. Tire à la raf comme tu veux. Eh ben voilà. Vaut mieux tirer devant, hein. Il a tout compris, le petit. Allez, t'as gagné, hein. Allez, tire comme tu veux, mais vaut mieux tirer devant. Allez, Flo. Allez, Flo, tu la touches, t'as gagné. Allez, Pierre. Allez, Flo. Ben oui, l'important, c'est d'être droit. Il fait un tir mou, bien droit. Allez, Flo. La boule du titre, elle est dans les mains de Florent. 12 mètres. Pour être champion, il y a 12 mètres. Oh, il a voulu tirer au fer et c'était pas mal vu quand même. Il est juste pas droit. On va aller au bout du suspense. Il est gonflé. Hein. Beaucoup, beaucoup de joueurs ont envoyé de miracles. Hein. Même les seniors. Hein. Oui, mais là, on peut pas nous empêcher de penser que Nicolas, que Florent a de la pression. Elle existe chez les plus grands. Comment peut-on ne pas en avoir quand on a 14 ans? Il n'est pas droit encore. On ira au bout du suspense. Alors, au Karim, bout du bout. Que va faire Karim? Regardez le sourire de Karim. Il sait qu'il y a la pression. Il va au rond comme s'il y avait 6 mètres. Hein. Ils ne peuvent pas perdre, de toute façon, mais il ne faut jamais rater de telles occasions. 4 boules pour la gagne. Oh là là.
Incroyable. Oh là, incroyable Dolores. Ce qui vient de se passer. À la 12e mètre. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas osé tirer une boule de miracle à 12 mètres. Ouais. Incroyable. C'est rien, c'est ma faute. Mais non, je l'approchais pas la dernière là. Ah, c'est rien. Elle sera à Auvergne. Un point pour Nancy 12, 16 scores. Ayo 12, Nancy 12, 11. C'est complètement dingue, cette finale. Complètement dingue, ces gens. Là, par contre, là, maintenant, les Bleus, ils ont besoin d'évacuer. Ah non, mais là, il faut, surtout, il faut plus qu'ils pensent à ce qu'ils viennent de se faire. Eh oui, mais le problème, comment voulez-vous faire? Et le petit, alors c'est étonnant, hein. Alexis, quand, lorsqu'il a joué sa boule, il allait jeter le cerf. Il pensait qu'il avait perdu le point, vous vous rendez compte? Et il a bien joué Santiago. Oh, ils y mettent des claques dans la main. Oui, oui. Ça. Allez. Alors Dolores. Jusque-là, elle a fait jouer les autres. Mais là, le point mais est bon. Mais Anthony hein. Santiago a bien pointé. Le point est bon. Hein. L'émotion est à son comble dans cette finale du Mondial des Jeunes. Et elle a bien joué. Elle, hein. Elle a bien joué, mais elle ne l'a pas gagné. Ah, Flo, rattrape pas, c'est bien. Alors, terrible d'avoir ça en tête. Comment évacuer? Là, il faut que... effectivement. Comment évacuer 4 boules de match? Ah, fait plaisir. Comme c'est compliqué. Surtout quand on a 14 ans. Ouais. Et c'est une obligation maintenant chez Florent. Oh là là. Mais oui, mais... Il a pas douté longtemps. Hein. Alors Daniel, je vais vous dire pourquoi il a tiré deux coups ce petit. Il s'est dit, mais regardez, on est dans le Mondial des Jeunes. 12 mètres, si je viens y frapper un coup sur deux. Deux coups, même les grands, ils ne le font pas. Tonio, allez, encore un petit effort là. Hein. C'est important sur la main, cet effort. Eh, droit. Tonio, allez, bonhomme. Anthony Santiago, deuxième boule. Aïe, il est là, court, il est resté court. C'est rien, c'est vrai que c'est rien. Bien sûr que c'est rien. Bien sûr que c'est rien. Ils ont quatre boules. Hein, c'est jeu de tirer? Je ne pense pas. On va les écouter. Allez, Nico. Allez Nico, fais-moi une petite chose là. Allez bonhomme, allez, c'est important là Nico. Allez grand. Ils sont si bien frapper la boule, ça fait jouer quand même. Hein. C'est... Oui, et s'il fait un trou. Bien Lino, bien. Il l'a pas fait le trou, bien joué. Bravo, super. On tire une coupe bien. Bon. Il y a 4 boules contre 3, on n'a pas le droit de 3. Ou alors eh ben, tous les gens sont en haleine, hein. Tous les spectateurs, regardez. Incroyable. Juste à dépasser la boule. Allez, c'est pas stocké à la boule. Plus personne ne respire dans les tribunes. Hein. Allez, fais tirer encore. Allez, Dolo, c'est important. Surtout ne pas accrocher la boule devant. Bravo. Super. Regardez un peu ce que fait ce petit. Elle est formidable, Dolores. Ah oui. C'est même elle. Elle mérite vraiment la petite. Hein, regardez. C'est même elle qui dynamise son équipe. Ça. C'est nous les PD. Vous voyez comme elle est positive. Tu as manqué tout à l'heure, mais tu vas te rattraper maintenant, Kélia Karim. C'est beau, hein? L'esprit chez les Bleus est irréprochable. Les choses vont se compliquer, Marco. Il tire où? Au bouchon? Eh, hey, Nicolas, bonhomme. Eh, hey, sommes-nous la main, là. Il tire la boule. Non, la boule. Mais il a fait le trou. Et ils sont dans le trou, de nouveau. Ouais. Combien de boules? Si je peux devant une boule, on peut remarquer même. Ouais. Bah lui, il est positif, hein, c'est bien. Hein. Oui, enfin bon, il y a eu des moments où il a disjoncté un peu quand même.
Mais le devant de boule, bah, il n'y a plus que ça. Hein. C'est le dernier des miracles. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même, Marco, sans vouloir... Alex, ah, je droit à la boule. Hein? Droit à la boule. Je sais faire le devant. Choisir le moindre oui. camp. Jamais. Je miserais plutôt sur les bleus maintenant. Oui. Alors c'est simple. Soit il le gagne, il est en sursis. Voilà. Soit il le perd, les bleus sont champions. Et on remporte ce mondial des jeunes 2007. On va savoir de suite. Fais-le, fais-le, fais-le. Oui voilà. Extraordinaire quand même ce que nous vivons là chez ces jeunes. Là, il a fait quelque chose de belle. Alexis Naïd Sidous, il avait dit, il n'y a qu'un devant de boule qui peut nous sauver. Ça ne va peut-être pas le sauver. Allez, Karim. Mais... Allez, prends ton temps. Alors, mais là, ce qu'on voit, c'est extraordinaire. Hein. N'est pas bien là, Karim. Sort du rond. Attention, faut sortir du rond. Ils ont deux boules. Les autres n'en ont plus. Faut le gagner. Ben voilà, c'est la gagne. Voilà, c'est pas grave. C'est pas le gagner, c'est le titre. Allez, c'est pour aller. Allez, essaye de rentrer là. Allez. Allez, Karim. Allez, Karim. Prends trop l'ordre. Aïe, aïe, il est pas au jeu. Cette fois, il est pas au jeu. Il est rentré. Ça va permettre maître, justement. Au kiff Laurent. Par contre, il faut que les deux partent, hein, parce alors, que c'est attendez. Pas évident. Ça, c'est le suspense total. C'est maintenant, allez, tire comme tu veux, tu pousses les deux, c'est bien. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Absolument. Allez, c'est plaisir. Et là, tout le monde retient son souffle. Tout à l'heure, ils avaient 4 boules de match. Et là, il en a une. Tournement de situation. 12-12. Et c'était la 13e main. Hein. C'est difficile d'ambitionner un plus grand suspense devant un public totalement conquis. Regardez, 12-12. On joue depuis 1h15 maintenant. Alors que le soleil tombe sur Marseille, sur le vieux port. Tout ça n'est pas croyable. Qui aurait pu, il y a de cela une heure, même moins, imaginer un tel scénario. 12-12. Là, il va y avoir des regrets dans les équipes. Hein. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents à l'arrivée. Aussi bien chez les bleus que chez les blancs. Et je crains qu'il y en ait plus chez les bleus s'ils viennent à perdre. Parce qu'ils ont eu la gagne. Ils ont eu deux fois la gagne. Allez, grand. Allez, je vais t'en Tonio, allez, bonhomme. Arrive. Bien, bonhomme. Elle est belle, elle est belle. Allez, on continue, hein. Allez. Allez, les gars. Je crois que s'il y a continue, une main de plus, le petit Anthony, il n'a plus de doigts. Si. Allez, t'es pas allez, donc comme tout à l'heure. Allez, Dolores. Ça va être dur, ce reportier. C'est pareil. Oh. C'est la dernière. Dolores, c'est la dernière. Bien oui. Il demande beaucoup à Dolores, qui, juste là, a été irréprochable, a été formidable. Et attention, attention. Phénomène. Et elle continue. Hein. Ouais, vraiment. Oh là 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 là. Vraiment, Dolores. Ça, c'est une allez, espoir, hein, cette petite. Allez, hein. Fais quelque chose, bonhomme. Elle a été formidable. Là, le comité du VAR et la région allez, PACA, bon, ils ont un petit espoir avec cette allez, petite Nico, féminine. Temps, fait quelque chose, allez. Là, un trou, ça sera encore grave. Bien, voilà, sort. Ça a marqué. Voilà, bien, elle sortie, est sortie. Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'elle est sortie. Parce que le point d'Anthony Santiago, il a raison, Alexis. Il est perdable. Attention. 5 boules pour 3. Ils n'ont plus que 3 boules. Ah si, elle fait la reprise en revanche. Allez, magique. Allez, oui, mais regardez Tom Pousse. Regardez. Il le sait allez. Que rien n'est fait dans cette finale. Dur espoir. Elle gagne. Elle gagne la Dolores. Je joue comme une mort. Je peux le continuer.
Avance, avance. Oh là là, championne. Hein. C'est vraiment une championne, cette Sans Dolores. Sans réaction, la petite. Regardez ce sourire. Vercellotti. Là, elle va envoyer ses copains à la victoire. Hein. Regardez cette boule, comment elle est passée. Très sincèrement. Elle le mérite, hein, franchement. Elle mériterait bien le titre, ah oui. On la verrait bien en haut de la quiche. Allez, frappe-y. De ce mondial des jeunes 2007. Alors, maintenant, la pression sur les épaules d'Alexis Naïtsidous. Ça, c'est très... C'est très compliqué, ce qui vient de se passer là, pour les Blancs. Là, il a voulu tirer de rafle. Oui, bah, tu sais quoi. Mais là, il a fait un miracle la main d'avant. Ah ben là, il est obligé de tirer au but. Il peut pas faire autrement. Mais oui, mais attendez. Peut-être que la boule le gêne en plus. Ah mais là, c'est devenu compliqué. Il peut plus tirer la boule de rafle. De toute façon, regardez, regardez ce plan. Ah non, il peut pas tirer la boule de rafle. Alors, il n'a qu'un choix. Le bouchon. Il faut y rentrer dedans. Le bouchon et c'est le dernier recours, à mon avis. À mon avis, regardez bien ce plan-là. Très beau ce plan. Ce plan-là, il est magnifique que nous propose Jean-Marc. Et il est court. Alors, la boule dans la main d'Anthony Santiago. Je touche pas droit. Ah, ça te la boule, tu touches droit. Je sais pas, elle me glisse, même. Pas droit. Pointe ou pointe. Et le petit Anthony. C'est vrai, le pauvre Anthony. Qu'est-ce que je fais, on compatit pour lui parce que c'est vrai que lui qui a 12 ans. C'est le Benjamin de cette finale. Oui. De toute façon, tu pointes, sur un main, on ne peut pas gagner sur un main. C'est son premier mondial des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a à faire, ce Minon ? Il va tirer. Hein. Oh, il ne l'a jamais fait de la partie. Regardez. Oh, ça serait drôle qu'il tape. Il a déjà un beau style. Hein. Ah. Et pas droit. Eh bien, voilà. Ce sont donc les Blancs qui ont gagné. Les champions de la Dolores, Vercellotti, Florent, Rio, Karim, Lachev sont les nouveaux rois, les nouveaux princes de Marseille. Bravo à eux. Voilà, autre image symbolique de Marseille, hein, la bonne dame qui veille sur nous ce soir, Daniel. Alors, les femmes ont droit de citer aussi dans ce mondial la Marseillaise à pétanque, d'une part en équipe mixte, dès le départ, et elles ont aussi leur concours. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent la pétanque, combien à peu près ? Ben déjà dans ce mondial, il y en avait 677 dans le grand tournoi, il y avait 137 triplettes dans le mondial féminin, et puisque vous posez la question sur 400 000 licenciés à peu près à la Fédération française, il y a 15%, cela représente 60 000 féminines qui disputent les concours. Et attention. Puis... L'évolution des mentalités sont de plus en plus... Ah, aujourd'hui, on est un peu moins macho quand même. Ah non, complètement. Puis en plus, comme elles sont de plus en plus belles, alors il faut vraiment se méfier. Elles ont d'autres atouts que les autres n'ont pas. Et puis, quand elles jouent, hein, ça le font l'admiration quand même de tout le monde. Parce que... C'est la prime à l'élégance, c'est la prime au charme. Et donc, on a tout ça réuni et c'est voilà. Formidable. Et puis, il y a aussi la rigueur, la précision, la concentration. Enfin, ce qui est indispensable pour savoir bien jouer et se retrouver ici, en finale. C'est parti pour la sixième édition du Grand Prix féminin, la Marseillaise à pétanque, dans ce magnifique cadre du Vieux-Port. Nous vous accueillons avec le charme, la grâce et l'élégance de ces demoiselles. Sont opposées dans cette finale Muriel Scuderi et Virginie Lauer. Elles ont déjà triomphé en 2006 avec Martine Sarda qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Fabienne Chapuis qui sera le troisième maillon. En face d'elle, les filles qui sont vêtues de bleu, Ludivine Lové, Agnès Viens, elles ont aussi la particularité d'avoir remporté ce Grand Prix féminin, c'était en 2004. Elles étaient associées à cette époque à Audrey Arnaud, qui n'est pas là et qui est remplacée par Marina Rubio. Vous avez vu le score à l'issue de la deuxième manche ? Eh bien, ce sont les filles en bleu qui ont pris le meilleur départ, c'est-à-dire l'équipe de Ludivine Lové. Elle mène 4-0. Pour vous faire vivre cette finale passionnante et forcément très attractive, nous avons deux championnes, avec évidemment Valérie Agosta, c'est la finaliste de la première édition de cette compétition en 2002.
elle a failli triompher, mais sur le fil, elle s'est faite coiffer par Sylvette Innocenti. Il s'agit bien sûr de Valérie Agosta. Bonjour Valérie. Bonjour Daniel. Tout va bien ? Il n'y a rien qui va mal. Il fait beau, le soleil, le ciel est bleu. Les filles sont belles, tout va bien. Voilà, tout à fait. Et pour nous accompagner aussi, nous avons une championne d'exception que l'on est content d'accueillir à notre micro. C'est une championne de boxe, ancienne championne WBA, Myriam Lamar. Tous les Marseillais la connaissent. Et bien évidemment, elle vient faire une mise au point dans ce tournoi, si j'ose dire. Mais ici, c'est au meilleur des 13 points. Bonjour Myriam. Bonjour. On découvre maintenant, dans cette finale, Agnès Vienz, la gauchère. Elle est un petit peu courte. On va voir quelle est la réaction de Muriel Scuderi, qui est une redoutable compétitrice. Avec Virginie Loer, elles ont gagné. Avec Fabienne Chapuis, elle en rêve aussi. Il faut savoir quand même que Muriel Scuderi, à la première édition, je l'ai menée 11-0. Donc, là, elle est menée 0-4. À mon avis, pour elle, ce n'est pas un danger. Ça risque d'être une très belle finale féminine. Je crois que, bon, il faut dire qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un aussi joli plateau. Donc on va en profiter. On risque d'en avoir vraiment plein les yeux. Voilà, parce que Muriel Scuderi, c'est la tenante du titre, mais elle a la particularité d'avoir gagné justement et de vous avoir battu en 2002. Ça veut dire quoi ? Bah, tout simplement qu'elle est en piste, qui serait quand même une formidable performance en 6 éditions, de réaliser un triplé. Tout de même, c'est pas rien. Elle a l'air d'être la meneuse de cette équipe. Pour l'instant, c'est bien joué. Elles peuvent faire une grosse semaine. Attention. Mal joué. Alors 3 points pour la triplette Muriel Scuderi. Oui, fais comme tu veux. C'est pas mal, elles reviennent. Je sais pas, mais regarde bien. Elle rentre la tienne de derrière. Ah oui, je crois qu'elle rentre. C'est un sommet. Ah, il faudrait vraiment qu'elles en profitent. Je veux dire, tu es déjà sur celle-là. Non, sur celle-là. Je bon, personnellement, ni en pointant maintenant, je voudrais quand même... Bon, pendant quelle mesure ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Valérie, quand même. Il faut que les Bleus réagissent, alors. Ouais, vous étiez pour changer un peu les rôles. On fait quoi ? Oui, mais regardez ici. On met qui au tir, on met qui au point, qui est milieu ? À mon avis, elles ont regardé. Elles ont l'attitude de vraiment subir. Et il faudrait vraiment tout changer, là. C'est-à-dire de la première passer en seconde, tout tourner. Tout tourné. C'est-à-dire Ludivine passée pointeuse, la pointeuse passée milieu, la milieu passée tireuse. Elles en ont la capacité, donc autant en profiter. Bon. On va voir si elles vont faire quelque chose dans ce sens-là, parce que c'est important de voir. Mais c'est surtout. Si elles vont changer la donne. Alors, on regarde maintenant Fabienne Chapuis. Malheureusement, elle est spectatrice du jeu. Là. Elle ne profite pas. C'est la chance pour les Bleus, justement, c'est qu'elle ne profite pas du tout des occasions. Il fallait pas être court. Et ça, ça risque de... Elle risque de le payer à la fin. C'est les émotions des Bleus. Regardez le visage, comme il s'éclaircit tout de suite. Elles ont le point. Allez, Myriam, essaie d'y taper, là. Allez. Alors, attention. Ça... Frappe difficile en plus. C'est important. Là, c'est du nettoyage qu'il va y avoir. Elle peut enlever les deux, ça serait pas grave. Ouf. Bien. Oh là là, quelle belle frappe. Une frappe limpide. Voilà, ça c'est Muriel Scuderi. Il doit en avoir trois. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si justement Myriam, attention, Muriel, c'est un diesel, mais là, le diesel tourne à plein régime. Hein. Et c'est là que c'est aussi. Elles sont menées 12 à 6, on ne va pas l'oublier. Elles sont à un point de la défaite. Allez, la gauchère, on a changé la donne, hein. Agnès Vienz. Faut bien pointer.
pour éventuellement attaquer après. Et voilà. Super. Bien. Oh, oh, oh. Ça s'appelle un carreau. Et ça mérite un ralenti. Un ralenti, sinon deux. Les voilà, c'est toujours aussi beau, c'est magique. Avec la réussite, parce que ça, faut quand même le dire, qu'elle était bien trop longue. Elle avait pris le TGV, hein. Finalement, qui était le diesel? C'est bien, le gardien. Ouais, la canne, ouais. On peut dire aussi départ de cheval à Rivedane, hein, on peut en dire pas mal. On tape pour la gagne. Il faut voir vraiment la pression. Là. La frappe, c'est le titre. Oui. Bien. Et bien voilà. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas tremblé. Fabienne Chaput, qui elle n'avait jamais gagné cette Marseillaise, ce grand prix féminin, l'inverse de Muriel Scuderi et de Virginie Loewer, eh bien, elle aussi, elle a fait ce qu'il fallait pour gagner. Voilà, et celui à qui on doit le succès de ce concours, à lui puis à tous ceux qui travaillent à ses côtés, notamment les 200 bénévoles qui font vivre cet événement extraordinaire, c'est Michel Montana, vous l'avez vu dans la finale tout à l'heure. Michel, est-ce que pour vous, allez, une sorte de rêve, c'est-à-dire succès extraordinaire, on retrouve des Marseillais pour la finale, mais ceux qui ont pointé leur nez cette année, des Thaïlandais ou des Chinois? Voilà, pour moi, le rêve, hein, si un jour ça arrivait... Hein, oh là, vous faites de la une de tous les journaux, bien sûr, dans le monde entier. C'est les Asiatiques, ou Chinois, ou Thaïlandais, ou enfin d'autres, et même de Singapour, hein, qui rencontrent les Marseillais et qui battent les Marseillais. Alors, ça sera l'événement exceptionnel de cette ville, où est née la pétanque, d'ailleurs. Qui alors, fête ses 100 ans cette année. Alors, oui. Ce mondial qui s'internationalise, c'est formidable, mais tout de même, le succès populaire, c'est ce qui fait la réputation de ce plus grand tournoi du monde. Si vous allez au-delà des 5000 triplettes, comment faites-vous? Est-ce que vous avez des soucis ou vous avez des solutions? Ouais. Alors, des soucis, on en a. Mais je pense qu'on pourra régler parce qu'on peut encore jouer beaucoup dans la ville. Il y a beaucoup de stades encore et qu'on n'occupe pas. Je pense qu'on les occupera, mais ce qui sera difficile, c'est qu'il faut transporter les joueurs, il faut des centaines de cars. Il faut voir ce que c'est. C'est un barnum qu'on fait le dimanche. Vous le savez d'ailleurs. Michel, il faut toujours innover, il faut toujours trouver des solutions. On a vu des choses extraordinaires. Pour la première fois dans l'histoire du mondial, une finale qui joue avec des boules de couleurs, des noires et des blanches, pour le spectacle du public et pour les téléspectateurs, c'est formidable. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce mondial ? Ben, je retiens ce que vous venez de dire, parce que avec les boules blanches et les boules noires, c'est la première fois quand même. Hein. Donc les gens ont été contents, on a vu le public hein, vraiment hein, adhérer à ça, vraiment adhérer. Alors qu'habituellement, on les sent crier un peu rouspéter, là non, pas du tout. Ils étaient contents parce qu'ils reconnaissaient leurs joueurs, de toute façon, ce qui, à mon avis, est l'avenir. Bien, merci Michel et félicitations. Merci mes amis, voilà, de m'avoir reçu avec vous. Hein. Eh bien, on a été ravis, comme tous les ans, Michel, de vous avoir à nos côtés. Cette nuit de la pétanque se termine. Une petite chose, la pétanque ne se termine pas nécessairement, puisque vous savez, cette année, il y a un effort particulier de fait. Il y a une deuxième antenne, en quelque sorte, sur la pétanque, grâce à Internet, sur France 3, France 3 Méditerranée. Pendant tout l'été, vous pourrez revoir les temps forts de ce concours, revoir notamment toutes les finales et les deux demi-finale. Et avant de se quitter, il y a un mot d'ordre très important avant de partir sur la route de ses vacances. Toujours rester fair play avec l'adversaire, parce qu'après tout, la pétanque, c'est le must de la convivialité. Voilà, et puis on va dédier cette nuit de la pétanque à Patrick Vigier, qui depuis plusieurs années, de France 3 Méditerranée, à nos côtés, œuvre pour vous offrir ce spectacle fabuleux de la pétanque. Et c'est bien de le saluer parce que c'était un formidable partenaire. Alors, dans la cité espagnole. Voilà, jouer à la pétanque, il va pouvoir y consacrer désormais tout son temps. Voilà, et puis c'est un homme de cœur et généreux, il a bien mérité de jouer au boule maintenant tranquillement. Voilà, et bien, terminez bien la nuit. Merci et à bientôt, à l'année prochaine. Oui.
C'était La Pétanque sur France 3 avec Au But.